C'est la troisième université d'été qui est organisée par l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ces universités d'été, c'est le moyen pour nous, à la fois pour ceux qui sont déjà engagés dans ce processus d'échanger, de faire le point sur nos actions, sur notre pensée, sur la façon dont nous nous heurtons à la fois des difficultés que nous sommes en capacité de les surmonter, mais c'est bien entendu aussi le moyen de faire connaître la démarche de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Une des originalités de cette troisième session, c'est peut-être trois choses. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'émergence d'un nouveau modèle économique en lien avec la transition écologique si des nouvelles alliances, des nouvelles formes de coopération n'émergent pas entre les entreprises et les territoires. L'émergence d'un nouveau modèle économique passe, bien entendu, par l'engagement des entreprises, mais également par l'engagement des organisations citoyennes et également par l'engagement des collectivités territoriales ou des projets territoriaux de citoyens. Comment voulez-vous imaginer une autre alimentation plus durable, plus en lien avec le bien-vivre alimentaire, sans que les citoyens soient engagés, sans que les territoires soient engagés, sans que l'inscription d'un nouveau modèle économique prennent ses racines dans les territoires? Comment allez-vous imaginer de nouvelles formes d'énergie, de production d'énergie, de consommation d'énergie, si cette transition énergétique ne s'implique pas, s'articule pas étroitement avec la dynamique des territoires et les dynamiques des citoyennes? Comment voulez-vous imaginer que sur le plan énergétique, il suffirait simplement de penser technologiquement? Bien entendu que non. Bien entendu qu'il y a besoin de revenir sur les rapports des consommateurs, des ménages, des citoyens à la question énergétique, d'éviter cette marginalisation par le prix de l'énergie d'un certain nombre de nos citoyens. Il y a besoin de reconsidérer de manière de plus grande proximité les lieux de production, de distribution de cette énergie. Il y a besoin donc d'engager des processus profonds de coopération entreprise, territoire, citoyen. Comment allez-vous imaginer sortir des problèmes de transport auxquels nous sommes confrontés sans repenser entièrement le dispositif de mobilité et de faire en sorte que le dispositif de mobilité soit véritablement adapté aux situations précises des territoires? Comment allez-vous arriver à sortir des questions de déchets, cet envahissement des déchets, si on n'arrive pas à impulser des nouvelles formes de consommation et des nouvelles formes de rapport entre les entreprises qui diffusent des biens ou des biens alimentaires et les modes d'organisation citoyenne? Vous voyez, je ne prends que ces exemples pour vous montrer combien la question de la transition a besoin de nouvelles formes de coopération qui lient les entreprises dans la recherche d'un nouveau modèle économique, les citoyens d'une nouvelle approche de leur engagement et de leur place dans la consommation et dans l'émergence de nouveaux projets, et puis d'autre part les territoires dans leur capacité à impulser et d'autre part à inscrire ces processus dans l'originalité, la spécificité de nos territoires. Ces processus, on le sait dans l'expérience de nos projets, va reposer sur une énergie extraordinaire, un engagement des uns et des autres. Derrière cette énergie, cet engagement de ressources immatérielles importantes. Il va falloir développer de la confiance entre nous, de la confiance dans les projets que nous engageons. Il va falloir développer des capacités de compétences collectives qui dépassent simplement les compétences individuelles, les qualifications des uns et des autres, mais qu'on ait la qualité des agencements d'acteurs, d'arriver à développer des compétences qui sont en situation de dépasser les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, notamment les contraintes écologiques. Nous avons besoin, si vous voulez, d'imaginer des formes d'organisation qui dépassent le cadre de l'entreprise, qui créent des écosystèmes coopératifs, de telle manière que se dessinent ici des acteurs nouveaux du changement, de l'innovation, dans un cadre de développement durable, dans le cadre de la transition. Nous avons donc besoin, si vous voulez, de ressources immatérielles majeures dans cette dynamique. Et donc nous avons besoin de
d'identifier ces ressources immatérielles, de les révéler, de les développer. Une des originalités de notre université, ça va être de mettre la question des ressources immatérielles au cœur de l'appréciation de nos projets et la question du développement de ces ressources immatérielles au cœur de ces projets. Demain, vous aurez la présentation avec quelqu'un de la DGE, de la Direction Générale des Entreprises, du ministère des Finances et de l'Économie et des Finances, la présentation d'une démarche qui s'appuie sur un site, mais qui engage un processus accumulatif d'acteurs pour arriver à développer à la fois des dispositifs de repérage des ressources immatérielles stratégiques dans nos projets, d'évaluation de ces ressources et de développement de ces ressources. C'est un site qu'on appelle CAP immatériel, que le laboratoire d'intervention de recherche ATEMIS a réalisé pour le compte avec la DGE, mais qui est mis à disposition de tous et qui vise ici à encourager, soutenir nos projets de telle manière que cette question stratégique des ressources immatérielles soit saisie, soit prise en charge, devienne opérationnelle. On sent, deuxième point important dans cette université, on sent que de nombreuses entreprises s'engagent. Philippe Carl, à travers le contrôle de la chaîne du froid, vous voyez, Philippe passe en fait dans la production de colis isothermes vers la nécessité de maîtriser la chaîne du froid, c'est-à-dire de la production, de la consommation, des médicaments ou des biens alimentaires. Cette maîtrise de la chaîne du froid conduit à processus beaucoup plus complexe et long, mais en même temps original au regard des enjeux de santé ou des enjeux alimentaires. Et donc, différentes entreprises s'engagent dans des processus d'élécomité de la fonctionnalité et de la coopération et ont besoin de coopérer entre elles. Et donc, on crée, on lance cette année le réseau des entreprises qu'on appelle entreprises EFC, c'est-à-dire le moyen que les entreprises coopèrent directement entre elles de différents territoires, se regroupent pour proposer aux grands comptes, aux collectivités, à l'État, des projets structurés ensemble pour qu'elles puissent, au besoin, à l'international, commencer à donner des perspectives d'activité économique soutenues par elles et de créer des écosystèmes coopératifs en trouvant, en dehors des systèmes de filières et des secteurs d'activité, les formes de coopération entre entreprises adéquates aux grands enjeux écologiques actuels. C'est le deuxième temps fort qui sera dans l'après-midi proposé par cette université. Et puis le troisième temps fort, mais en fait qui va commencer dès maintenant, c'est revenir sur la dynamique des territoires, faire en sorte que dans les processus territoriaux, à la fois les collectivités, les citoyens et les entreprises trouvent l'énergie et des formes d'action commune pour porter la question de la transition. Et c'est un projet qui a été initié par la ville de Los Angeles, rejoint par d'autres villes, en lien aussi avec ATEMIS et soutenu par l'ADEME et le Commissariat général à l'égalité des territoires, engager une démarche qu'on appelait ville-père, c'est-à-dire d'échange entre villes désireuses de progresser vers l'économie, vers la transition, et d'autre part, de collectifs citoyens, de territoires issus de l'initiative citoyenne en capacité, elle aussi, de progresser dans cette démarche. Donc c'est le sens de cette table ronde qui va juste suivre cette ouverture dans laquelle Jean-François Caron va intervenir, moi-même, en demandant à Julien Perdeja de bien vouloir nous interroger. Et on a demandé avec beaucoup de plaisir à Jean-François Cesarini d'avoir la gentillesse d'être avec nous et d'autre part de contribuer à cette table ronde en réagissant au projet qui est proposé notamment par la ville de Los Angeles, mais aussi d'autres collectivités et d'autres projets territoriaux. Ça va nous permettre d'avoir un échange ensemble dans cette table ronde et ensuite avec tout le monde. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Julien Perdreja, je suis directeur de cabinet à la ville de Los Angeles et du coup on a axé cette table ronde, comme le disait Christian, sur une dynamique nouvelle qui s'est lancée de coopération de ville-père qui se rassemble pour poser les bases de ce que serait un référentiel de leurs méthodes respectives de conduite du changement vers le développement durable. Pour dire les choses plus simplement, quel est le code source, les éléments communs, les invariants qu'on peut trouver dans des territoires qui ont engagé depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, un processus de transition
écologique et sociale et qui arrive à ce stade à une limite qui est celle de la transformation du modèle économique dans les territoires. Donc cet atelier des villes pères rassemble 4 villes, la ville de Losangoël à l'initiative, la ville du Menet en Bretagne, où il y a à peu près 30 ans de développement local, territorial, durable, la ville de Malonnet en Normandie, où un écosystème autour de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération est aussi bien organisé, et la ville de Grande-Synthe, à nouveau dans le nord, à côté d'Audruic. Ces quatre villes, du coup, ont lancé cette démarche de manière assez spontanée, en ayant cette intuition qu'elles ont des choses à partager. Et avant d'arriver finalement sur cet atelier en tant que tel, ce qu'il produit, vous expliquer un peu la démarche, je voudrais d'abord revenir sur finalement le récit, l'histoire qui fait qu'on a pu enclencher cette dynamique. Et donc pour ça, je vous propose d'abord de passer la parole à Jean-François Caron, donc maire de Losangoël, qui porte depuis de nombreuses années des processus de transition à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Et juste peut-être axer cette question, Jean-François, sur l'évaluation par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur la méthode lossoise de conduite du changement. Que c'était pas du tout inné, spontané, que l'ADEME s'intéresse à la dimension de la conduite du changement. Généralement, on porte plutôt, du point de vue de l'ADEME, des enjeux de transition sur l'énergie, sur les déchets, sur la mobilité. Mais tout ce qui fait le soft, la dimension sociologique de cette capacité à s'engager, à entreprendre une transition locale, démocratique, réussie, ça passait un peu en dehors du radar de l'ADEME. Et donc, Losangoël a été labellisé, si on peut dire, en 2014, territoire démonstrateur de la conduite du changement. C'était le premier en France. Et donc, il y a une évaluation qui est venue travailler cette question de finalement, c'est quoi la méthode lossoise et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Donc, Jean-François, sur ce sujet, en gros, comment le démonstrateur conduite du changement atterrit à Losangoël, qu'est-ce qui précède finalement cette labellisation et en quoi ça permet de faire naître cette dynamique d'atelier des villes pères. L'idée, c'est un peu de faire un récit des cheminements, parce que c'est le descriptif des étapes. C'est intéressant par rapport au processus dans lequel on est aujourd'hui sur une approche plus large. Juste pour comprendre qu'il y a un cas particulier à Losangoël. C'est pas la seule commune, mais elle fait partie du million d'habitants qui a vécu l'arrêt de la mine dans une mono-industrie. Sur le territoire de ma commune, il y a 9 puits de mine. Et donc, la crise, ça fait 30-40 ans qu'on est dedans massivement, hein, avec des taux de chômage proches de 20%. Ça explique que quelque part, cette question de la transition a déclenché plus rapidement que dans d'autres secteurs, puisqu'on était, entre guillemets, dans la merde. Voilà. Bon. Donc, alors, peut-être redire en quelques mots, effectivement, comment on en est arrivé là. Compte tenu des limites du modèle économique du charbon, énergie fossile, mais surtout mono-industrie, impact massif sur les populations, sur l'environnement, etc. Et puis des conséquences sociales majeures avec des taux de chômage. L'une des questions politiques qui me porte, c'est comment on va vers un développement plus durable, puisque le système du charbon est un développement non durable par essence, à tout point de vue. Je rappelle que les hommes meurent à 45 ans de la silicose en moyenne dans les années 50, hein, donc même la santé humaine y passe. Et donc finalement, comment on essaye de faire émerger un modèle plus durable? Et déjà, à cette époque-là, c'est dans les années 90-95, je me fracasse sur les fonctionnements verticaux et cloisonnés. Ceux qui s'occupent d'économie disent « moi, je suis là pour faire de l'emploi ». Comprenez, c'est vachement important. Et ceux qui s'occupent d'environnement disent « vous comprenez, quand on n'aura plus d'air à respirer, donc c'est vachement important ». Mais ils ne se parlent pas. Dans la pratique, j'en ai 1000 exemples à donner. Et donc, du coup, première difficulté, comment sortir du cloisonnement? Et là, on tombe sur des questions individuelles, chacun étant un petit peu gardien de son pouvoir, de son savoir, et
On est sur des questions presque existentielles, quoi, hein, dans l'exercice du travail. C'est pour ça que la rencontre avec Christian sur les questions du travail, ça m'intéresse. Mais aussi, on est dans des difficultés managériales. Il n'y a pas une institution qui ne dit pas qu'il faut faire de la transversalité. Il y a à peu près 100% des institutions qui le disent. Et pourtant, ça continue à ne pas se faire vraiment. Donc, c'est intéressant à regarder pourquoi. Bon, par rapport à ça, on développe un certain nombre de projets. Et puis, avec un complice historique qui est là, Gérard Grasse, qui est dans la salle, on essaye de ramasser toutes les... J'étais vice-président de région à l'époque. On essaye de ramasser toutes ces expérimentations pour faire des énergies renouvelables, pour faire de l'agriculture plus locale, pour faire enfin, plein de choses vachement sympas, mais qui ne font pas système. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment à un moment donné, ça fait système, puisque moi, c'est mon système qui s'est écroulé. Donc, remettre un petit bout de ça, un petit bout de ça, ça ne remplace pas le système antérieur. Et très vite, on chemine avec, par exemple, Jean Gadré, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire sur ces questions-là, Laurent Cordonnier. On avance sur cette idée que si on veut que les questions économiques, sociales et environnementales se parlent, que les biens communs ne soient pas écrasés par le modèle économique, les questions environnementales et sociales posent des questions de biens communs, mais au contraire qu'on enrichisse en biens communs l'ensemble des politiques d'une collectivité, alors il faut repérer les parties prenantes, sinon on ne fait pas apparaître les enjeux de bien commun, parce qu'ils découlent d'un processus collectif. Alors il faut travailler ce qu'on a appelé l'agencement d'acteurs, la façon dont les acteurs ensemble travaillent, et alors apparaît pour les collectivités, ça c'est révolutionnaire au point que ça n'a absolument pas percé ailleurs qu'en Nord-Pas-de-Calais et encore dans des cercles restreint, c'est cette idée que l'action publique, je le dis avec à côté de moi un député, devient peut-être de plus en plus pertinente dans ce qu'on pourrait appeler les agencements d'acteurs, plutôt que de donner des subventions directes à tel ou tel acteur qui ont des effets mesurés dans un bloc, et que par contre, la recoordination du jeu des acteurs est beaucoup plus puissante. Pour prendre un exemple extrêmement court, les agriculteurs ne passeront pas au bio et au circuit court s'il n'y a pas de marché en face. Et le marché qui attend de la nourriture bio et locale n'y passera pas s'il n'y a pas une production. Et donc, il y a une connexion offre et demande avec les intermédiaires. Et tout ça relève d'un agencement d'acteurs. Je peux vous en parler, on a 1000 exemples de ça dans ma commune. Et si ce n'est pas l'ensemble qui bouge, ça ne marche pas. Bon, donc ça, c'est le constat. Du coup, de ça, trois conséquences. Un, il faut faire apparaître donc un nouveau modèle économique, puisque le modèle linéaire, prédateur, etc., qui ne s'occupe pas des externalités, ben, il faut un nouveau modèle économique. Deux, on a des enjeux de transition. C'est pas la même chose que la question du nouveau modèle, c'est-à-dire qu'apparaissent progressivement dans certains endroits des lueurs de ce que pourrait être un nouveau modèle, génial. C'est pas pour autant que tout le monde va changer. C'est-à-dire que les questions de conduite de changement, c'est des questions intimes, existentielles, pour une part individuelle, pour une part collective. Pourquoi tout le monde est, ou presque à part Trump, mais est presque d'accord que les règlements climatiques, c'est un énorme problème, et pourquoi ça ne change pas? C'est qu'il y a un gap, ce que les sociologues appellent la dissonance cognitive, entre ce qu'on sait et ce qu'il faudrait faire, et que pourtant on ne fait pas. Bon, donc la conduite de changement, c'est autre chose. La transition, c'est autre chose que l'émergence du nouveau modèle. Il faut qu'apparaisse le nouveau modèle et il faut qu'on se mette en format de révision déchirante d'un certain nombre de nos fondamentaux et d'apprentissage de nouveaux acquis. Et troisième conséquence de ce parcours que je vous ai raconté, qui est aussi bien commune que région, c'est que ça se joue au niveau des territoires. L'agencement d'acteurs, ça se joue au niveau des territoires. C'est ce que moi j'appelle le chaudron. À l'échelle d'une commune, si je veux revisiter la question alimentaire, c'est dans un chaudron dans lequel il y a des agriculteurs, des assos d'insertion. Dominique est là, Audrey Chaillant, ils sont là quelque part, on travaille avec eux là-dessus, mais les consommateurs, mais les cantines, etc., etc. Et que s'il n'y a pas quelque chose où tout le monde ensemble bouge dans le chaudron, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est le, je dirais, je vous ai ramassé 25 ans d'action politique pour en arriver à ça. Et à se dire que par rapport à ça, j'observe avec désespoir
l'incurie politique. Je le dis, j'en fais partie. Donc, comme ça, l'incapacité à sortir de la relation au lobby, à essayer d'être dans un dispositif plus, peut-être un peu plus complexe, hein, c'est sûr. Mais bon. Et c'est vrai que quand on a fait la tribune après la démission de Nicolas Hulot, c'était comme l'expression d'un cri du cœur de ben, comment on peut faire quoi. À quel endroit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les uns les autres commencent à faire bouger un petit peu leur curseur. Et moi, mon analyse, c'est qu'il y a des endroits où ça se fait, mais comme j'ai coutume de dire qu'une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Il y a des territoires petits, plus ou moins petits, qui ont désobéi au moule, à la pensée unique, au modèle. Et donc, ça c'est intéressant parce que c'est une loi de la biodiversité, c'est que ben, effectivement, il y a des moutons à cinq pattes qui peuvent apparaître, il y a des endroits, alors avec Le Menet par exemple, c'est un grand monsieur qui s'est investi, je ne sais plus son nom là du coup, Paul Way, voilà, et qui fait que 30 ans après, dans l'écosystème de Le Menet, il y a des choses qui se passent et qui se sont amplifiées. À Los Angeles, il y a d'autres raisons, mais il y a donc des questions humaines, il y a des questions d'équation locale pour que ça désobéisse. Alors, vous me direz, à côté de chez moi, il y a une Imbeaumont. Donc, c'est un autre type de désobéissance. Donc, ça ne veut pas dire qu'il suffit de désobéir et qu'il suffit de sortir du moule. Ça veut dire juste qu'il y a des espaces. Quand un système est en crise, il y a des espaces et par endroit, il y a des réponses. Donc, notre idée, mon idée, c'est d'aller chercher les écosystèmes, même à petite taille, et de regarder comment ils arrivent à attraper la question à échelle territoriale mais systémique, voilà, c'est ça. Donc, à quel endroit on a du systémique, faire une méga politique énergétique, mais si à côté de ça, continue à faire des choses complètement aberrantes dans tous les autres champs, ben, ça ne marche pas. Donc, à quel endroit on est systémique, à quel endroit on a des résultats concrets, donc du temps long, et ça c'est difficile, pour pouvoir évaluer les ressorts de ce qui a permis ça. Et à quel endroit on a de l'implication d'acteurs, parce que si on arrose en argent, ça peut produire des résultats, mais ça ne dure pas dans le temps. Donc s'il n'y a pas une implication, ça ne marche pas. Donc sur ces trois critères-là, j'ai presque fini, implication des acteurs systémique et résultats concrets, on a entamé une démarche de mise en réseau des villes pères, on appelle ça aussi les cellules souches, en se disant d'ailleurs que par les lois de la biologie, il peut y avoir des développements, mon image, hein, c'est toujours la même, mais dans un étang, si vous avez les bonnes conditions d'oxygène, de matière organique et de soleil, toutes les deux heures, les lentilles d'eau se multiplient. À la fin de la journée, ça vous fait une tâche comme la table, demain, ça fera l'ensemble de l'amphi, et après-demain, ce sera tout Avignon. Et moi, j'espère, c'est mon espoir, c'est qu'à un moment donné, ça se mette en mouvement par multiplication des cellules souches et que progressivement ce nouveau modèle se développe à partir du local et que les niveaux nationaux, européens puissent du coup s'appuyer dessus pour débloquer un certain nombre de situations. Donc on a deux démarches simultanées, celle que nous on a engagée en tant que pairs, on appelle ça l'atelier des villes pairs, ça a été dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, comment on fait apparaître le code source de ces territoires-là et les invariants, par exemple. Est-ce qu'il faut une guerre ? Est-ce qu'il faut une crise comme nous on vit pour arriver à changer ? Est-ce qu'il faut des morts ? C'est, pour l'instant, on n'a pas trouvé la réponse. Hein. C'est quand il y a une crise majeure que ça bouge. Hein. Donc, comment on fait pour que ce ne soit pas dans une situation de ce type ? Bon. Et donc, ça, c'est soutenu par le CGET et par l'ADEME, avec quatre ateliers, peut-être on y reviendra. Et puis, la deuxième démarche, c'est l'ADEME au niveau national. Jacques Ravaillot, qui était le directeur de l'action territoriale, le numéro 2 de l'ADEME, qui dit, on a un laboratoire de conduite de changement, on voit comment on commence à voir arriver dans des territoires des esquisses de réponses. Donc, l'ADEME au plus haut niveau, avec son président de l'époque, mais confirmé par le nouveau, Bruno Légevin et maintenant Arlo Leroy, soutient fortement une démarche dans laquelle d'ailleurs je suis pilote, hein, puisqu'on outille ça, de quatre territoires, Val d'Ille-Aubigné en Bretagne, les Crêtes ardennaises en secteur très rural, Malonnet dont on parle, et le Sangoël, Seine-Saint-Denis, pardon, le Sangoël étant enfin, dans le territoire de Braouzec, là, c'est communauté d'agglo de Saint-Denis, je crois, hein, voilà. Pleine commune, voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Et donc, on essaye de reprendre le code source, voir si ils ont utilisé les mêmes ressorts,
quels ressorts, eux, ils ont utilisés et comment, finalement, ce travail collectif leur, les aide à monter d'un cran vers plus, enfin, tout ce que je vous ai raconté avant, plus de coopération, etc. etc. Voilà. Donc, nos quatre ateliers, c'est dans ce qu'on fait avec l'Institut, puisqu'il nous fallait un opérateur et que l'Institut, par l'économie de la fonctionnalité, pose ses questions par l'entrée économique. Moi, je les ai prises par l'entrée politique et territoriale. Donc, c'est pas un hasard non plus si je suis à l'Institut, c'est parce qu'il y a des communautés de pensée. Et donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'outiller ça à partir de nos quatre territoires, de renforcer, avoir des territoires un peu partout en France, d'où l'intérêt d'être ici, par exemple, et de repérer à quels endroits il y a des dynamiques vertueuses ou qui ont envie d'aller vers tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des ateliers, mais pour dire d'être capable, je dirais, dans l'année qui vient, d'avoir à la fois un matériau qui remonte par l'ADEME au plus haut niveau et qui peut infléchir les politiques de l'ADEME, hein, puisque, c'est, par exemple, l'ADEME, elle est encore dans des déversements de subventions, par exemple, un peu classiques. On finance encore de la chaudière, quoi. Bon, sûrement qu'il faut le faire, mais ça n'a pas beaucoup d'effet que de passer d'une chaudière à fioul à une chaudière au bois. Ça n'a pas d'effet système, si vous voulez. C'est ça que j'essaye de dire. Je ne me permettrai pas de juger, mais l'ADEME se dit qu'il faut qu'on puisse optimiser nos interventions financières, et donc, du coup, ça nous intéresse. Donc, ça, c'est l'ADEME. Et d'ailleurs, demain, je vais être obligé de repartir à Paris parce qu'on a le groupe des experts de l'ADEME. Ils ont un comité scientifique à l'ADEME qui va décrypter tout ce que je viens de vous dire là, puisqu'on arrive à la fin de notre processus. Et puis, notre atelier de Villepère, Christian, qu'on entreprend ensemble. La question qui nous a été posée directement, c'est, mais finalement, vous êtes en train de créer un énième réseau. À quoi bon ? Un réseau, il y en a déjà plein. Vous faites partie de réseaux sur la transition énergétique, vous faites partie de réseaux sur la transition alimentaire, vous faites partie de réseaux des fois sur les enjeux de transition démocratique, vous faites partie, enfin, à quoi bon un énième réseau ? Et finalement, ce n'est pas un réseau qui est en train d'être monté, c'est un atelier. Et c'est là où je voudrais maintenant passer la parole à Christian Dutertre, donc président de l'Institut européen de l'éco de la fonctionnalité et de la coopération, qu'on ne présente plus. En quoi finalement, l'Institut peut être un espace nouveau, utile et efficace pour arriver à soutenir les enjeux de coopération, les enjeux de pérennisation des transitions engagées dans les territoires et les enjeux d'accélération de la transition dans les territoires qui se mettent maintenant sur ce sujet. En quoi l'Institut n'est pas un réseau parmi les réseaux ? En quoi c'est un espace de travail qui permet de soutenir tout ça ? Alors, la question est d'abord bien entendu très pertinente et en même temps la réponse pas si simple. C'est le processus que l'on engage, qu'on commence à engager dans l'Institut, dans cet atelier. Ce n'est pas un réseau au sens, par exemple, qu'il y a des réseaux sur la transition énergétique, il y a des réseaux sur le bien-vivre alimentaire, il y a des réseaux sur la mobilité, qui sont des réseaux très importants, d'expérience. Mais un des points majeurs, c'est de savoir finalement comment, à travers ces expériences qui sont sur des enjeux sociétaux de fond, comment ces projets à la fois sont en capacité de se renforcer, de se pérenniser, voire de se transmettre à d'autres territoires, dans d'autres dimensions. Et notre idée, c'est qu'en réalité, ces réseaux, ces dynamiques, cherchent à dépasser un certain nombre de questions clés, ce que tu appelais le code source, et en les dépassant, essayer d'y trouver un certain nombre de réponses. Donc l'atelier vise à repérer quelles sont ces questions essentielles auxquelles finalement nous sommes confrontés lorsque nous engageons dans un projet qui relève du développement durable, entreprise comme territoire. Quelles sont ces questions essentielles et dans quelle mesure on est en capacité de les surmonter ? Jean-François a l'habitude d'appeler ça le code source, ces questions de base. Nous, quand je dis nous, plutôt dans Artemis, en termes de logique de recherche, on appelait ça plutôt un référentiel, mais c'est la même idée. C'est la même idée. C'est quels sont ces points centraux ? Alors, je pense qu'il y a véritablement un point essentiel qui est le suivant, que Jean-François a nommé, c'est-à-dire que lorsqu'on s'engage dans une démarche relevant de la transition, du développement durable, en fait, on est amené à impulser des coopérations entre des acteurs de nature différente. Alors,
la diversité de ces acteurs, il y a plusieurs aspects. Il y a un problème d'abord de coopération entre les acteurs de types différents. Alors, quels sont ces types d'acteurs différents? Mais vous voyez, immédiatement, si on cherche une logique alimentaire, si on veut que l'entreprise qui propose des, comme le disait tout à l'heure Hugo, la vôtre, la tienne, qui propose des semences, qui donc est dans le, qui dans la logique de l'alimentation, se dégage de toute une série d'impasses, elle oblige à coopérer avec un certain nombre d'entreprises. Pas seulement de la filière de l'alimentation, pas seulement de la filière. Aussi, quand on va arriver dans le monde de l'alimentation, les questions culturelles que pose l'alimentation, le rapport à l'alimentation et les questions écologiques, le rapport entre l'alimentation et des questions de santé, c'est-à-dire pose, ouvre le champ dans lequel ils ont à une série d'enjeux qui en réalité font système. Donc ça, c'est un premier enjeu de la coopération. Sortir de son silo, sortir de sa spécialisation et ouvrir vers des enjeux qui sont connexes, ce que Jean-François a appelé systémiques, mais qui font système. Ça, c'est le premier niveau de la coopération. Alors, dans le bien-vivre alimentaire, c'est assez net. On sent une ouverture de la question de la production de biens vers toute une série de services. Quand on est dans le bio, on ne peut pas conserver les biens bio comme ça. On est obligé de changer les transformations de conservation des biens. On est amené de changer la façon de faire des cuisines. On est amené à changer de la façon de se rétablir un rapport entre la cuisine que l'on opère et la santé. Et donc on sent bien qu'il y a une diversité ici d'enjeux connexes qui sont articulés et qui ouvrent une perspective de développement nouveau. Perspective tout à fait importante. Ça, c'est le premier axe de la coopération. Le deuxième axe de la coopération, c'est une coopération entre ceux qui produisent et ceux qui achètent ces produits ou ces services. On ne peut pas sortir, on ne peut pas être dans la situation de notre ami tout à l'heure, de Philippe Carle, qui est à l'origine par Isovation, conçoit et vend des emballages isothermes, pour aller vers une meilleure maîtrise de la chaîne du froid, sans coopérer avec ceux qui utilisent ces emballages, c'est-à-dire avec les utilisateurs. Donc on est obligé de penser des écosystèmes coopératifs avec les consommateurs, avec les utilisateurs de biens, avec les utilisateurs des services. C'est la deuxième orientation de la coopération. Mais ça, ça nous fait sortir du marché. Vous voyez, c'est un point très important, ça nous fait mettre le marché à distance. Il n'est pas supprimé le marché, c'est absurde, mais il est mis à distance. Vous voyez, quand vous demandez, par exemple, à Audrey, quand on demande à des ménages de s'engager dans la consommation de bio par rapport à des maraîchers qui sont des maraîchers de petite taille, certains engagés dans des logiques d'insertion, on ne peut pas avoir des consommateurs qui fonctionnent comme à l'heure actuelle, qui changent de fournisseur, qui passent d'Auchan à Casino pour revenir et qui changent de fournisseur quasiment toutes les semaines ou tous les mois. On a besoin d'un engagement des consommateurs vis-à-vis de ces maraîchers qui s'engagent, qui prennent des risques avec le bio, qui prennent des risques d'insertion. On a besoin d'un engagement sur le long terme. Et donc on a besoin de consommateurs citoyens qui acceptent de sortir de cette logique de zapping et qui s'engagent dans un écosystème. Cet engagement, c'est de la coopération. Mais ça met le marché à distance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert, de transition en termes monétaires. Non, ça veut dire que l'engagement n'est pas de court terme, la décision n'est pas instantanée, la décision, elle est dans le moyen long terme, et donc elle engage en réalité un projet sociétal, un projet politique. C'est la mise à distance de la question du marché, et donc des formes de coopération entre ceux qui produisent, ceux qui consomment, ceux qui utilisent les services. La troisième dimension de la coopération, Jean-François l'a énoncé, c'est des formes de coopération avec les collectivités territoriales et à l'intérieur même des institutions publiques. Parce qu'à l'intérieur même de l'institution publique, on retrouve une organisation par silo. On retrouve des projets qui sont séparés les uns des autres. L'alimentaire, il va y avoir l'agriculture d'un côté, il va y avoir la distribution de l'autre, et enfin, de le troisième, il va y avoir le social avec les crèches et les maisons de retraite. Or, on a besoin de faire coopérer toutes ces logiques-là pour développer un nouveau projet alimentaire. Et donc, on a besoin de faire coopérer les services des collectivités et derrière, les élus entre eux. Et les élus. Donc, vous voyez, il y a un deuxième niveau de coopération qui est à l'intérieur des institutions publiques qui implique
en même temps une forme de coopération entre les institutions publiques et les entreprises renouvelées. Comment voulez-vous que les entreprises cherchent à changer de modèle économique si elles se trouvent confrontées à des appels d'offres qui restent marqués, quelle que soit la situation, en réalité, in fine, par des problèmes de prix et de coûts? Comment voulez-vous que les entreprises puissent s'engager, prennent des risques sur le moyen et long terme, alors que grande partie de leur commande provient de la commande publique et que les institutions publiques restent marquées par un système d'achat qui, en fait, applique la logique du marché de manière généralisée? C'est impossible. Donc on est obligé de mettre à distance le marché encore et de trouver des formes de coopération renouvelées. Mais si on coopère sur le moyen long terme, deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, alors il faut trouver des formes d'évaluation. Je ne vais pas être trop long, mais c'est un deuxième point. Quel type d'évaluation? Et un deuxième noyau de questions. D'accord, je suis d'accord pour m'engager avec le Sanguel pendant 3 ans. Ah oui, d'accord, mais attention. Okay. Mais pendant les 3 ans, il va falloir quand même évaluer ce qu'on fait. Est-ce que ça correspond à mes attentes? Ça ne correspond pas à moi. Alors, quel est le dispositif d'évaluation? Mais on ne peut pas avoir un résultat. Alors là, un dispositif d'évaluation uniquement par les résultats. C'est aussi comment on s'est engagé, comment on a coopéré. C'est plus compliqué. C'est un deuxième point très important. La coopération, un premier point. Le deuxième point, c'est un point essentiel, c'est les dispositifs d'évaluation. Et notamment de tout ce que Jean-François a appelé les agencements d'acteurs, la qualité, la confiance, la pertinence des compétences, c'est-à-dire des ressources éminemment immatérielles et relationnelles, qui relèvent finalement de la qualité de ce que tu appelais les agencements d'acteurs, on pourrait dire la qualité des rapports sociaux. Et on sait bien que le territoire, la proximité, les relations de plus grande, de distance moins longue, favorise la confiance, favorise les échanges, favorise une compréhension de l'évaluation qui est à la fois formelle et un peu informelle. Et donc c'est un lieu essentiel de cette dynamique. C'est un deuxième point très important sur lequel on a besoin de réfléchir, d'apporter des éléments complémentaires. Et puis je reviendrai juste, à force qu'il y en a d'autres, mais je reviendrai sur un troisième point malgré tout, sur ce que Jean-François appelle le code source et que voilà, on appelle le référentiel, mais encore une fois c'est la même chose. C'est la question... si vous voulez, de la dynamique des acteurs et la capacité de donner aux acteurs envie, de leur donner envie de prendre des risques, de prendre le risque de l'autre, le risque de l'engagement dans leur travail ou dans la vie civile. Surmonter le risque d'échec, surmonter les difficultés que nous rencontrons les uns et les autres dans les processus, passe par une question fondamentale, qui est la question de la reconnaissance, à la fois de ceux qui travaillent et des engagements citoyens. La reconnaissance. C'est-à-dire la question de la reconnaissance des conditions dans lesquelles nous agissons, nous engageons dans une activité, et notamment dans les activités de travail. Or, ce qui est compliqué, c'est que les activités de travail, souvent, sont invisibles. Et vous savez, comme moi, que les résultats ne sont jamais proportionnels aux efforts. Vous le savez tous. Évaluer par les résultats, c'est dramatique. C'est dramatique. On a besoin de faire revenir l'expérience. On a besoin de la reconnaissance des efforts, de l'engagement de chacun et ensemble. Et donc, il faut complètement déplacer la question. Sortir des résultats pour s'intéresser aux formes d'engagement et reconnaître l'engagement, notamment dans le travail, qui est un élément central de la pérennité, du plaisir de porter les projets, qu'on soit dans une collectivité territoriale, dans une entreprise ou dans son quartier comme citoyen. C'est un troisième point stratégique, la question de la reconnaissance du travail réel, comme de la reconnaissance de l'engagement citoyen. Voilà 2 ou 3 points, il y en a encore d'autres, mais je m'arrête là. Vous voyez qu'on est amené derrière ces expériences à réidentifier ce que sont les points clés, et les instruire, comprendre comment elles fonctionnent, regarder les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, pour ensuite, à travers l'atelier, contribuer à une pensée collective qui, sur cette base-là, constitue, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-François, une communauté d'action, mais aussi une communauté de pensée, parce qu'il n'y a pas d'action nouvelle sans pensée.
par rapport à cet atelier où finalement des villes qui géographiquement ne sont pas proches décident de coopérer, de potentiellement mettre leur retour d'expérience en partage, mais demain, éventuellement, dans la perspective politique que tu présentes là, des éléments de mutualisation, des éléments de travail en commun de leur modèle de transition et de développement durable, il y a une finalité finalement éminemment politique. Je voudrais, avant de passer la parole à Jean-François Cesarini, revenir sur la tribune qui, du coup, est projetée derrière nous et lire simplement un court extrait. Donc, dans la tribune qu'on développe et qui est signée par Jean-François et Christian, il est noté que notre conviction, c'est aux échelles territoriales que cela se joue, à l'endroit exact où s'articulent des questions globales, planétaires, de la société-monde, et où se structurent des réponses locales, concrètes, participatives et opérationnelles aux enjeux du quotidien. C'est dans les entreprises, dans les collectivités, dans les organisations et dans les formes de reconnaissance du travail qui les soutiennent, formes de travail salariés ou citoyens, que cela s'organise. Voilà ce que nous retenons du dernier geste du ministre d'État. On est en pleine période de démission de Nicolas Hulot. La puissance d'agir ne viendra pas d'en haut, ni seulement d'en bas. Elle viendra de notre coopération et de cette capacité qu'on aura à la faire vivre dans un rapport au réel, c'est-à-dire dans un rapport au territoire projet. En parlant de territoire projet, Jean-François Cesarini, député du Vaucluse et membre de la commission à l'Assemblée nationale du développement durable et de l'aménagement du territoire, a travaillé sur un rapport, sur une nouvelle étape de la décentralisation. Et dans ce rapport, il y a notamment une partie qui justement axe cette dimension du territoire projet. Vous le reprenez comme tel. Comment rassembler les acteurs locaux autour de projets favorables au développement économique des territoires? Donc, si vous le voulez bien, je vous propose peut-être de repartir de ce rapport, de ce qui se joue dans les propositions que vous faites remonter, et en quoi cela fait écho avec la dynamique qui est ici révélée et que constituent les membres de cet institut. Avant d'être élu, on a créé ici, sur un bassin de vie, Avignon-Arlénim. Je vois qu'effectivement, le club qui va travailler ici aussi est sur ce bassin de vie-là, on y reviendra. C'est important parce que pour le coup, c'est un bassin de vie qui ne correspond pas aux frontières administratives classiques. On est sur deux départements, même trois, deux régions, il y a plusieurs communes. Et on considère qu'effectivement, on va essayer de reconstruire le pays à partir des bassins de vie, des écosystèmes, des interactions entre les êtres humains, les associations, les entreprises, etc., qui sont sur un territoire et non pas sur des frontières administratives qui datent souvent de Napoléon et qui n'ont plus beaucoup de liens, a priori, avec nos territoires. Ma démarche, moi, vient donc, avant d'être élu, on voulait postuler à l'époque, vous savez, à ce label French Tech, qui était ce label qui devait labelliser des territoires pour dire que ce territoire-là était très innovant dans le domaine du numérique. Donc, on a voulu y postuler, mais à l'époque, le gouvernement précédent avait mis dans le label le fait qu'on ne pouvait y postuler que si on était une métropole. C'est-à-dire que nous, on n'avait même pas le droit, nous, Avignon, à postuler au label. C'est même pas qu'ils n'allaient pas nous le donner, mais c'est qu'on ne pouvait même pas le demander. Pensant sûrement à l'époque qu'il n'y avait que de l'économie numérique, de l'innovation, de la créativité dans les métropoles. Et que nous, chez nous, on pouvait vendre de la lavande au TFN, et c'était plutôt sympa. Nous, on a considéré qu'on pouvait faire autre chose, et que donc, c'est comme ça qu'au-delà de l'économie numérique, et on y viendra, m'a fait penser à comment on arrive à décentraliser et démétropoliser le pays, au sens où les inégalités entre les êtres humains sont très importants et ont été l'un des grands débats du XXe siècle, et ça continue à l'être, mais on parle assez moins, je trouve, des inégalités entre territoires. Et qu'aujourd'hui, les inégalités entre territoires sont assez fortes, et qu'on ne peut pas considérer une transition ou un progrès quelconque sans déconcentration des richesses, des pouvoirs, etc. etc. Mais pour moi, si je devais définir ce qui est ma conception du progrès, c'est à chaque fois qu'on déconcentre quelque chose. Et là, aujourd'hui, la question de la décentralisation pour nous n'était plus de savoir Paris-Province, c'est en gros le grand débat de Mitterrand et Defferre, comment on décentralise à partir de Paris. Bon, ils l'ont plutôt bien fait d'ailleurs. Il y a aujourd'hui une quinzaine de métropoles en France qui tirent l'emploi et la croissance du pays. C'est vrai partout dans le monde. Les pays avaient une capitale nationale. Aujourd'hui, la plupart des pays ont des capitales aussi régionales. Et donc, ça permet que cette première vague de décentralisation a plutôt marché. Mais c'était une vague de décentralisation qui ne pensait que de l'administratif. On va donner des compétences
d'État à des collectivités locales. Très bien. En gros, on avait un Paris et on a créé des petits Paris qui sont devenus les capitales régionales. Avec tout le centralisme de ces métropoles-là, comme Paris avait ce centralisme-là au niveau national. Et donc aujourd'hui, la décentralisation ne doit plus se penser entre Paris et la province, mais entre ces capitales régionales, ces métropoles, et nos territoires qui sont intermédiaires entre ces métropoles. Donc on a postulé à ce label parce que le préfet de l'époque nous avait dit « Mais autour d'Avignon, il y a un bassin de vie. » Lui, il appelait ça une métropole diffuse à l'époque. Mais non, il ne faut surtout plus employer le mot parce que dès qu'on dit métropole, plus personne n'entend diffus vu que métropole est un mot extrêmement rejeté par tout le monde. Mais néanmoins, moi, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin à l'époque et je suis allé voir un peu toutes les communes, les villages, les villes, Avignon, Arles, Nîmes, Cavaillon, etc., Bagnoles. Et je leur ai dit « Qu'est-ce que vous avez, vous, d'innovant, de créatif sur votre territoire ?» qu'on pourrait mettre en commun dans le dossier ministériel, parce que nous, tout seuls, on ne va pas y arriver, il va falloir qu'on collabore, voilà, qu'on fasse quelque chose de coopératif si on veut aller le chercher. Et là, on a découvert plein de choses qu'on n'imaginait pas. Déjà, énormément d'économies, donc ce qu'on appelle les start-up, enfin, d'entreprises numériques innovantes dans des villages, et pas la vision de la French Tech classique, des licornes qui lèvent des millions d'euros à Paris ou que sais-je. Non, des types qui étaient dans leur village, qui des fois se tiraient la fibre eux-mêmes parce qu'il n'y en avait pas, et qui voulaient rester là, parce que leur cadre de vie était important, parce qu'il y avait quelque chose où le territoire était important. Et à la fois aussi plein de nouveaux lieux qui étaient en train de se créer. C'est comme ça que moi j'ai découvert tout ce qui était les Fab Labs, les Maker Labs, les Cowork, etc. Ce qui est en fait comment on travaille de manière collaborative aujourd'hui, ensemble, et c'était ça la grande nouvelle, hors des métropoles. Et que toute cette nouvelle économie-là n'était pas simplement centralisée dans les métropoles. Et donc petit à petit, à force de comprendre ça, une fois que j'ai été élu, je me suis dit, plutôt que d'aller à la commission culture, en général, le député d'Avignon finit à la commission culture. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Et donc, j'ai échappé. Donc, je me suis retrouvé à la commission aménagement du territoire et développement durable. Je suis très content. Mais c'était déjà en soi très transgressif. Et ce qui m'a pas empêché de faire de la culture à côté, mais néanmoins. Et donc, pour essayer de dire, voilà, comment on va penser cette nouvelle déconcentration des richesses et des pouvoirs hors des métropoles qui aujourd'hui fracturent les pays. Et on a plein d'exemples de ça. L'électorat de Donald Trump, il n'est pas à New York, il n'est pas à San Francisco, il n'est pas à Miami, il est entre les métropoles, sur ces territoires qui sont oubliés, qui sont fracturés par rapport à l'autre pays. L'électorat du Brexit, il n'est pas à Londres, enfin, etc., etc. Et nous, l'électorat d'extrême droite, il est plutôt dans nos territoires, plus qu'à Bordeaux, Toulouse, etc. Donc il y a quelque chose là qu'il fallait comprendre en disant il va falloir encore redécentraliser le pays, aller vers cette déconcentration des richesses et des pôles de décision pour qu'on puisse justement faire une égalité du territoire et que ça continue à faire pays. Je dis bien que ça continue à faire pays parce que je crois qu'on n'analyse pas ce qui se passe en Catalogne ou en Italie aujourd'hui si on ne pense pas les inégalités de territoire. La Catalogne dit, bon, en gros, moi je fais 25% du PIB espagnol, pas de raison de payer pour les pauvres. Pas besoin de payer, et pareil pour l'Italie, que ce soit pour le Piémont, etc. Donc je pense que si on n'arrive pas à refaire une inégalité de territoire, on aura des fractures assez fortes et politiques dures, comme c'est arrivé dans d'autres pays. Et donc, on a commencé à réfléchir à comment on peut penser cette déconcentration-là. Et encore une fois, pas essayer de faire des métropoles à côté des métropoles, mais essayer de voir comment les villes entre elles, les communautés de communes, pouvaient s'associer de manière horizontale et non pas verticale sur des projets de territoire. C'est effectivement l'idée de projet de territoire. Et non pas que ça soit le territoire qui réfléchisse à faire un projet. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est le projet qui va délimiter le territoire. En gros, tu as envie de jouer avec moi, tu veux qu'on collabore ensemble sur un projet particulier, sur une filière, sur quelque chose, alors bah, dis-moi si tu as envie de venir jouer avec moi. Mais nous, là, c'est pareil. Avignon, Arles, Nîmes, ce n'est pas un territoire. Ça n'existe pas administrativement. Ça n'existe pas. Il y a le Vaucluse, il y a le Gard, il y a les Bouches-du-Rhône, il y a l'Occitanie, il y a la région sud, est-ce que vous voulez. Mais ça n'existe pas. Par contre, on a plein de problèmes communs, donc à mon avis, des solutions communes aussi, plein de choses qui nous ressemblent, des territoires qui sont assez, qui interagissent au-delà des décisions politiques et autres. Ils interagissent parce que tous les matins, il y a des gens qui traversent le pont de l'Europe pour aller travailler, d'autres qui traversent le pont de Rognona, etc., et qu'ils habitent là et que leurs enfants vont jouer au foot à Château-Renard, etc., etc., et qu'il y a un bassin de vie là qui s'est émancipé depuis très longtemps des frontières administratives et des frontières politiques, et que sais-je, et que nous, on a envie de travailler avec ce territoire-là. Mais évidemment, je n'ai pas fait un rapport parlementaire pour parler que d'Avignon, Arles et Nîmes. Donc l'idée, c'était de parler aussi d'un peu ce qui se passait un petit peu partout en France. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, l'économie collaborative, qui est souvent appuyée sur le numérique, là où évidemment il y a de la connectique, hein. Aujourd'hui le très haut débit est aussi important que l'électricité à une époque ou les rails de chemin de fer,
fait que finalement, cette déconcentration à partir des métropoles ne pouvait pas exister avant cette révolution-là. Je m'explique. On arrive à la fin d'une vraie révolution industrielle qui était celle du 19e siècle, où il fallait entasser les êtres humains au même endroit, au même moment, pour produire de la plus-value. C'est ça qui a créé des grandes villes et ensuite des métropoles. Il fallait être au même endroit, au même moment. Et donc ça a fait une désertification rurale, enfin en gros la chanson de Jean Ferrat, quoi, pour faire vite, comme ça tout le monde comprend. On quitte le pays et on va aller manufacturer des objets, je vais très vite, hein, mais manufacturer des objets dans l'usine de la grande ville d'à côté. Aujourd'hui, on voit arriver quelque chose d'assez inverse et qui, sincèrement, quand on a commencé à faire le tour des ministères, ils nous regardaient un peu en disant bon, mais ça n'existe pas votre truc, parce qu'en gros, les métropoles vont continuer à être de plus en plus grosses. C'est le sens de l'histoire. Non, ce n'est pas le sens de l'histoire, c'est le sens d'il y a un siècle et demi. L'histoire, elle change. Et on a vu plutôt qu'il y avait un exode urbain. Il y a eu un exode rural pendant un siècle, et aujourd'hui, il y a un exode urbain. 40 000 personnes sont parties de Paris en 2 ans. Partis, ils ne sont pas morts, ils ont pris les valises, ils sont partis. Non, mais je dis parce qu'on me dit oui, c'est un choc démographique. Non, c'est pas un choc démographique, ils sont partis. Et genre, c'est l'équivalent, enfin, c'est la moitié d'Avignon qui est partie. C'est pareil pour San Francisco qui se vide, pareil pour Rio de Janeiro. Et même dans des pays très très émergents comme l'Inde, on voit que Bombay grossit beaucoup moins vite que ce que c'était le cas avant. Donc il y a quelque chose là qui fait que je peux produire de la richesse en n'étant pas forcément au même endroit au même moment. On a un exemple qui n'est pas l'exemple à suivre, mais qui montre qu'on a un possible. Qui est effectivement la Silicon Valley. Par exemple, on parle toujours de ces grandes sociétés, GAFAM, Apple, Facebook, etc. Au-delà du fait que, évidemment, ce n'est pas un modèle économique, mais il y a quelque chose qu'on n'explique jamais. Le siège social d'Apple est dans cette ville que Mélan connaît parce qu'ils y sont, qui s'appelle Cupertino, ou Facebook à Palo Alto. Et personne ne raconte jamais le nombre d'habitants qu'il y a dans ces villes. C'est des toutes petites villes. Palo Alto, Cupertino, c'est 50 000 habitants. C'est beaucoup plus petit qu'Avignon. Et ils ont la plus grosse entreprise cotée au monde qui est là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a moins d'habitants dans cette ville que d'employés dans l'entreprise de la ville. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, jamais. La taille de l'entreprise était toujours liée à la taille de la ville. On concentrait. Et évidemment, la concentration, ça a un impact écologique, on le sait, très fort. La déconcentration des métropoles, elle est évidemment devant nous, il faut qu'on l'accompagne, mais elle a aussi évidemment un aspect économique, tout ce qu'on veut, social, mais aussi très, très écologique. Là, il y a un nouveau rapport qui est sorti, qu'on a présenté cette semaine, sur justement ces espaces de tiers-lieux, de cowork, de Fab Lab et tout, et sur l'impact de nombre de carburants non utilisés sur les émissions de CO2, etc. Ce qui fait que ce n'est pas la même chose. Effectivement, de prendre sa voiture, de passer 1h30 dans le périph, que effectivement, d'aller travailler au cowork à côté de chez toi, etc. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, que l'économie était en train de se déconcentrer, du fait que l'économie numérique était une nouvelle révolution industrielle et non pas une filière différente. C'est-à-dire qu'il y avait eu cette révolution au 19e siècle qui faisait l'économie était obligée de centraliser les gens, et c'est le capitalisme qui est arrivé comme ça, mais qui fait qu'aujourd'hui, pas que le capitalisme est mort, mais n'empêche qu'il y a un levier là pour travailler qu'on n'avait pas vu avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie numérique, surtout pas dans nos territoires, mais que des économies traditionnelles qui sont en train de se numériser. C'est-à-dire que demain, l'économie connectée de demain, de la viticulture, elle ne se fera pas dans le centre de Lyon ou de Toulouse. Que tout ce qui est en train de se changer sur nos atouts à nous, culturels, on pourra y parler ici parce qu'effectivement, on est devenu un grand laboratoire culturel et digital à Avignon, et à Nîmes aussi, bien sûr, et à Arles. Mais il y a quelque chose qui a commencé là à bouger. Donc, on a proposé des solutions, deux essentiellement, et après, le mieux, c'est qu'on échange. La première, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire plutôt que d'avoir quelque chose d'assez uniforme pour les territoires, sortir de la logique de l'appel à projet. Le CGET, là, que vous connaissez tous, qui va disparaître, très, très probablement avant la fin de l'année, enfin, en tout cas qui va être englobé dans une autre agence, quelque chose qu'on prenait, était sur la logique de l'appel à projet. C'est quoi l'appel à projet? C'est qu'en gros, tu as l'État qui dit « moi, je sais ce qui est bon pour vous tous, je vous fais un appel à projet, vous soyez le Mont Blanc, la Côte d'Azur, vous avez le même appel à projet, si vous répondez aux critères, alors on vous aidera. » Donc tout le monde essaie de rentrer dans les critères. C'est une sorte de prêt-à-porter politique, donc ça va à personne, vu que ça doit aller à tout le monde. Et donc tout le monde dit, mais si, moi là, je réponds bien aux critères, etc., etc. On veut sortir de cette logique-là pour accompagner les projets de territoire. C'est-à-dire, en gros, vous vous êtes associés entre collectivités, mais pas seulement, associatifs, CCI, entreprises, que sais-je, choisissez le périmètre de la manière dont vous voulez vous associer, vous allez trouver un projet de territoire, un vrai projet, c'est là où on rentre dans quelque chose de systémique, pas une infrastructure de plus, pas une rustine, on a identifié qu'ici, notre force, c'était ça. Nous, ici, par exemple, on a identifié
c'est plutôt la culture et le numérique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire sur la... Bah, Avignon, parce qu'on a la plus forte concentration de spectacles vivants en Europe, qu'on a 9 patrimoines UNESCO, pas Avignon, hein, mais sur ce bassin de vie-là. Et qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui viennent du monde entier, de la France entière, pour venir prototyper, développer des entreprises sur des lunettes qui traduisent des spectacles, sur, enfin, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a identifié un projet, on ne veut pas que l'État continue à descendre sur une forme de ruissellement très, très vertical, mais dire on va se rencontrer à mi-chemin. Les territoires vont se structurer sur un projet, et ensuite l'État viendra à mi-chemin les accompagner pour aller effectivement les mettre en relation avec d'autres, faire de l'ingénierie humaine, peut-être évidemment monter des dossiers pour chercher des financements, etc., etc. Mais d'abord partir du projet. Parce que le vieux réflexe de l'élu, c'est quoi ? C'est dire, je vais bâtir un théâtre, donc j'ai une politique culturelle. Non, tu as bâti un théâtre. Je vais monter un hôtel d'entreprise, donc j'ai de la croissance. Non. Mais par contre, c'est très sympa pour l'élu. Il pose la première pierre, il coupe le ruban, enfin, c'est passionnant médiatiquement. Mais néanmoins, il y a quelque chose là qui n'est pas le projet. C'est-à-dire qu'on pense que c'est l'organe qui va créer la fonction, alors que sincèrement, le vrai changement et la vraie transition qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est considérer que c'est la fonction qui crée l'organe. C'est le projet qui, par conséquence, va nécessiter des infrastructures, mais pas l'infrastructure qui doit être le projet. Et c'est ça la grande différence. Donc il y aura des collectivités de gestion qui existent aujourd'hui, hein, mairie, PCI, donc on fait la gestion. Les poubelles, on fait la culture, tout ce qu'on veut, ça c'est de la gestion et c'est très très important. Mais on veut inventer quelque chose qui ne réforme des pôles territoriaux et ruraux, les PETR, où là, à gouvernance, moitié élu, moitié justement société civile, société, etc., sur des projets purs. Ça. Il n'existe pas d'espace où on se parle entre voisins, entre villes voisines ou autres, pour dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait déterminer ensemble pour lever ce territoire, pour raconter le récit du territoire. Et ce récit, ça peut être que le nôtre. Il n'y a personne qui pourra raconter le récit de la Provence à part la Provence. Et d'autres auront un autre récit. Et l'autre aura un autre récit. Là, j'étais en Bretagne il y a 3 jours justement pour venir raconter ça. Et vous allez adorer ce truc-là. Parce qu'il me dit, ouais, on ne sait pas trop quel projet on veut faire. Peut-être sur la mobilité, connectée, machin. Je ne suis pas là pour vous dire quel projet. Je suis là pour vous donner une méthode. Mais qu'est-ce que vous avez d'un peu emblématique que le monde entier connaît ? Donc là, ils se sont... Il me dit, on a la forêt de Brocéliande. Roi Arthur, Fontaine de Jouvence. Mais c'est énorme. Le monde entier connaît ça. Il y a des choses géniales à faire là-dedans. Il y a une vraie économie collaborative, écologique, de santé, de forge pour les épées. Mais c'est extraordinaire. Puis vous pouvez raconter ça au monde entier, quoi. Et là, ils en étaient tout au début. Ils disent, ouais, on vient juste de traduire le site en 4 langues. On en est au tout début de quelque chose qu'il n'y a que vous qui pourrez raconter cette histoire-là. Il n'y a que vous qui avez la forêt de Brocéliande. Et il n'y a que vous qui pourrez à la fois en faire de l'économie, de la cohésion sociale, de l'écologie, etc. etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de partir de ces projets-là et les accompagner à mi-chemin. Et c'est bien ça qui nous a intéressé là-dessus. Donc pour l'instant, les gens se montent en association. Donc là, en Bretagne, on a impulsé 13 EPCI, donc 13 agglomérations, plus de 200 communes qui se mettent ensemble avec les entreprises et les associations qui le souhaitent pour essayer de réfléchir à comment développer, bon, en l'occurrence, peut-être la forêt de Brocéliande, je le souhaite, ou autre chose. Mais pour développer ça, pourquoi ? Pour ne pas être mangé par Rennes, enfin, par Nantes, etc., etc. Ce qui était très intéressant, parce que finalement, il fallait qu'ils réfléchissent à quoi ? On avait l'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui devait arriver, donc ça devrait tout résoudre. Puis là, il n'est plus là. Je dis, ouais, mais justement, plutôt que passer par l'infrastructure, encore une fois, le théâtre, l'hôtel d'entreprise, l'aéroport, qui va tout changer, non, on passait du projet. Et je trouvais que c'est un très, très beau symbole, quoi. Nous, ici, on l'a fait, il y a bientôt un an, avec l'association Grande Provence. Donc là, nous, on est sur 16 EPCI. EPCI, c'est établissement public de coopération intercommunale. En gros, c'est des agglos et des comcom, des communautés de communes. 400 villes. Pour ne pas se faire manger par Montpellier et Marseille. Parce que vous savez, la théorie du ruissellement, dont on a beaucoup entendu parler, pour les êtres humains, c'est plus le riche est riche, plus le riche est sur les pauvres. Non, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Mais certains l'appliquent au territoire. C'est-à-dire, plus la métropole voisine est grosse, plus elle va ruisseler sur le territoire environnant. Et tout le combat qu'on mène là, moi, contre mon propre gouvernement, contre le préfet de région et le reste, c'est pour pas que Arles rentre dans Marseille. On a un gros bras de fer sur le fait que Marseille veut bouffer le pays d'Arles jusqu'à Château-Renard, Rognonat, etc. Dans la même logique, plus on est gros, plus on va être puissant. Je dis jusqu'aujourd'hui, le monde dans lequel on rentre, c'est faux. Et c'est ce monde-là qu'on veut construire ensemble. Merci. Vous parlez d'une méthode, c'est-à-dire j'amène une méthode, je ne vais pas vous dire quel projet vous allez faire, mais finalement, en tant que tiers facilitateur, ayant réfléchi sur ces enjeux de déconcentration de la richesse, de décentralisation du territoire projet, je vous invite finalement à coopérer et à développer une dynamique d'ensemble. Mais on ne peut pas avoir Jean-François Cesarini qui part partout dans les territoires pour... Si. Ah bon ? Bon. Alors,
Non, mais du coup, la question que je voudrais vous poser, et peut-être juste en permettant de switcher et proposer au public, enfin aux participants de pouvoir poser leurs propres questions, c'est est-ce que dans ce rapport, dans cette stratégie que vous déployez, un accompagnement des dispositifs de tiers facilitateurs qui participent de l'émergence des écosystèmes coopératifs territorialisés multiniveaux est prévu ou pas ? Ce qui était intéressant dans ce rapport, c'était que d'habitude, il est censé être destiné uniquement donc, à des gens qui vont être, je sais pas, des ministres ou autre chose, ce qui est vrai. J'espère que ça va donner lieu à des réformes législatives. Je crois que ça va être le cas, parce que j'ai des discussions avec des ministres qui disent, bon, encore une fois, il y a un an, tout le monde nous prenait pour des fous, en disant, non, mais la métropolisation, c'est génial, ça crée de l'emploi dans le pays, point. Et c'est vrai que pour le coup, ça crée de l'emploi dans le pays, mais enfin, ça peut être... Mais aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est que ce rapport, il a été aussi beaucoup lu par, justement, les entreprises, les collectivités qui m'ont dit, bon, même si ça change pas, même si vous n'avez pas encore une réforme des PETR un peu puissante, ben nous, on va se monter en asso. Parce qu'en gros, c'est à peu près ce qui ressemble à peu près sur le truc le plus fluide. Et donc, le fait qu'il ait été très lu, moi, je suis assez content. On dit toujours que les rapports calent des tables, mais apparemment, il n'y en a plus un à l'Assemblée. Donc, tout le monde l'a pris en version papier. Je suis très, très content de ce succès-là, des gens qui l'ont voulu le lire. Alors là, effectivement, je vais faire le tour de France. Je vais peut-être sûrement faire une vingtaine de dates, si j'ose dire. C'est mon côté acteur qui... Pardon. Une vingtaine de réunions. Et on est à Avignon, si on ne le fait pas à Avignon, ça ne marche pas. Mais pour aller tourner, mais effectivement, le rapport permet, à mon sens, pas un rapport qui fait 300 pages, on doit faire 90 pages, mais permet, à mon avis, à ceux qui veulent s'en imprégner, avec des exemples, de dire, tiens, on veut mettre ça en place. Mais encore une fois, cette méthode-là, c'est plus une philosophie, une vision du monde. Si demain, on a un territoire qui nous dit, ouais, finalement, on n'a pas fait une asso, on a fait peut-être autre chose, mais on s'est associé autrement, tant mieux. L'idée, c'est de dire, faites du sur-mesure. Tout à l'heure, je parlais du prêt-à-porter, de l'appel à projet. Il faut faire maintenant du sur-mesure des territoires. Parce qu'encore une fois, il n'y a que ces territoires-là qui savent quelle est la meilleure gouvernance pour eux et le meilleur projet. C'est pour ça, monsieur le maire avait raison. Nous, aujourd'hui, notre travail, c'est souvent de mettre, c'est de mettre des personnes autour de la table qui ne se parlent pas ou qui se pensent concurrentes. Et c'est vrai. Et c'est vrai, on parle de décloisonnement, c'est ça. Genre, nous, quand on a commencé French Tech par rapport à la culture, on a mis des gens qui pensaient qu'ils étaient concurrents. Je veux dire, l'université avec des assos d'insertion professionnelle qui étaient dans les quartiers. Non, venez, on fait des parcours en commun, etc. On y est arrivé, on est ravis. Pareil pour les tiers-lieux. Ah ouais, moi, j'ai fait un Fab Lab à Carpentras, je vais être concurrent du Cowork à Perne. Mais non, parce que chacun est différent. Et on est arrivé aujourd'hui à créer un réseau. Donc, parce que nous, c'est ce territoire-là. Mais moi, je ne veux pas aller dans un territoire pour dire c'est voilà absolument ce qu'il faut faire. Mais par contre, en Bretagne, là, il y a trois jours, ça s'est bien passé parce qu'effectivement, ils ont dit OK, on va partir sur une association. Et sincèrement, hein, les gens qui étaient autour de la table, moi, ils n'avaient pas les mêmes convictions politiques, ils venaient pas. C'est même pas le débat. Le débat, c'était est-ce qu'on va se faire bouffer par la métropole voisine demain et avoir un sort de Robin des Bois à l'envers, parce que c'est bien ça le problème de la métropole, c'est qu'elle prend l'impôt local pour le remettre dans la ville-centre. Là, pour nous, par exemple, je parlais d'Arles tout à l'heure, mais l'entrepreneur de Rognonat ou de Château-Renard ou de Saint-Rémy-de-Provence, on va lui prendre de l'argent pour financer le métro de Marseille, qu'il ne prendra probablement jamais ou très très peu. Quoi. Donc le problème de la centralité, ça ils l'ont compris. Maintenant, de leur dire, vous avez aussi une possibilité de travailler, pas attendre seulement la dotation de l'État, pas attendre que les impôts locaux, c'est important, créez aussi votre chose, ne soyez pas simplement dépendant de quelque chose de descendant. Bonjour, Muriel Maïfer, Lyon 3. J'ai une question à poser à monsieur Caron. Quel bilan vous faites des 25 ans de politique de développement durable dans le Nord-Pas-de-Calais et pourquoi ça n'a pas marché ça a marché que dans très peu de territoires? Comme je le disais en introduction, Losangoël c'est 7000 habitants et Nain-Beaumont c'est 14000 et c'est à 12 km de Los. Je vais être un peu iconoclaste, je vais parler politique sans langue de bois. On a un modèle socialiste et communiste omniprésent, mais qui était un socialisme guédiste, et non pas deuxième gauche, pour faire court, classifier les références. Donc un modèle qui reproduisait le système un peu houillère, contrôle du logement, dans des logiques quasiment de mono-industrie. Ce qui fait que les questions de citoyenneté, comme on est avec des publics spécialisés ici, d'empowerment, capacitation des habitants, etc., etc., c'est pas exactement ça qui était le modèle politique dominant. Dans la ville de Liévin, il n'y a pas de président d'asso qui est élu sans qu'on ait vérifié que le député-maire était d'accord. Et la photo du député-maire, Jean-Pierre Cucheda, pour ceux qui le connaissent, était dans toutes les salles de la ville, sa photo. C'est pas lui qui le voulait, hein. C'était les dames qui voulaient qu'il y ait la photo de monsieur le député-maire quand on lui posait la question. Je veux dire,
C'est un modèle. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est pas un hasard si en Russie, en Roumanie, en Bulgarie, partout où on ferme les mines, on a des retours extrêmement puissants d'extrême droite. Parce qu'on est dans des modèles où, en gros, on prenait sa carte au parti, on était dans un système organisé où on garantissait le boulot, on avait le logement. Enfin, prendre sa carte, d'ailleurs, était comme une forme de mutuelle. Bon. C'est extrêmement difficile de passer ce que mon collègue vient de dire, là. Enfin, pour faire de la coopération, pour transgressif, pour... c'est extrêmement compliqué. Donc on n'a pas une région extrêmement favorable à la transition vers le 21e siècle. Nos indicateurs de mobilité sont faibles, mobilité intellectuelle, mobilité physique. Enfin, on pourrait prendre plein de critères. Alors en même temps, la crise étant ce qu'elle est, elle peut laisser des espaces. Et moi, je me suis engouffré dedans dans ma commune, mais parce qu'il y avait une histoire... historique qui le permettait. Mais massivement, c'est une région qui souffre de désespérance parce que ce qui l'a constitué, la grande industrie, s'en va. Et avant que tout ça, ça se renouvelle dans les imaginaires, c'est compliqué. Alors oui, à Lille, il y a de la French Tech. Et Lille, c'est un peu notre problème, c'est que Lille pompe toute la valeur des jeunes. Il n'y a pas un jeune dans mon territoire qui réussit, qui y reste. Mes propres filles. Mes neveux, etc. Enfin, rester dans mon territoire, c'est être un loser. Ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas de diplôme, enfin, qui n'ont pas trop le choix, quoi. Par contre, ils vont à Lille, qui est à 40 km. Alors bon, ça peut être un avantage d'ailleurs pour nous, parce que parfois, on arrive des fois à jouer les deux. Bon. Donc, la métropole lilloise est extrêmement puissante, extrêmement moderne, performante, sympa, culturellement, etc. C'est sûr, hein. Tout autour, on a des territoires en chute libre. Et ces territoires-là, dans la désespérance, les gens sanctionnent. Les gens y tapent. Philippot ayant créé son mouvement, ça fout un bordel au Front National, c'est excellent. Donc, c'est compliqué. Le député de mon coin, il est passé chez les Patriotes. Bon, voilà. Donc, sinon, on a déjà tous les députés qui sont FN. On a les deux tiers des conseillers départementaux qui sont FN. Sinon, aux prochaines élections, là, ça a basculé toutes les agglos avec les villes. Hein. Voilà. Donc, en gros, ce que j'essaye de dire par là, c'est que c'est une course contre la montre. Mais c'est la même question que la transition et le dérèglement climatique et tout ça. D'un côté, il y a des super démarches vertueuses qu'on essaye. Je dis super, je me moque. Hein. Enfin, je m'auto-moque. Bon, on fait ce qu'on peut, etc., etc. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a une machine qui casse les gens, quoi. Et ils n'ont plus de boulot chez nous. Et ils n'ont pas d'espoir. Chez nous, les gens ne savent pas parler trois langues. Hein. Ils ont des bras. Alors, je caricature, ils ne sont pas tous bourrins. Hein. Et puis, quand je dis bourrins, c'est pas dans ma tête, c'est ma famille. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas du jugement de valeur. Mais on n'a pas les capacités... collectivement partagé à s'adapter au 21e siècle. Donc les régions de grande industrie, comme les régions de grande ruralité profonde, sont en grande souffrance dans la transition qu'on vit, parce que ça nous laisse de côté. Et du coup, il y a une urgence à apporter des réponses, et les réponses, elles sont complexes, enfin, comme on le voit bien depuis tout ce qu'on dit. Et c'est cette course contre la montre, il faut qu'on arrive à montrer qu'on est capable de reproduire de l'espoir du résultat. Alors à Los Angeles, c'est exactement l'inverse qui se produit. Alors là, au contraire, par effet de contraste, on a fait les plus gros scores au municipal en 2008, 82%. En 2014, on a fait 100%. C'est jamais arrivé depuis la Révolution française parce qu'il y a eu une seule liste. Et pourtant, les gens sont allés plus voter à Los Angeles que sur la moyenne du département alors qu'il n'y avait qu'une seule liste. Donc oui, là, on redécouvre un engagement. On a de l'initiative économie sociale et solidaire, on a de l'initiative, mais c'est 25 ans de terreau pour cultiver autre chose. Juste rebondir sur la question de l'échec dans la région. Il y a eu énormément de alors, toutes les explications que donne Jean-François je les partage, mais il y a eu énormément d'initiatives. Énormément d'initiatives. Et donc, j'ai juste ça, souhaiter les initiatives, y compris horizontales, souhaiter des initiatives qui viennent des projets
des projets d'association au territoire. C'est souhaitable, mais quand même, faudrait vous faire, faut quand même, c'est pas suffisant, hein. C'est pas suffisant. Donc, ton initiative là, j'approuve entièrement. Mais c'est pas parce qu'on appelle à des projets de ce type-là qu'on va réussir à affronter les enjeux qui sont devant nous. Parce qu'on en a déjà un paquet d'initiatives de ce type-là qui ont échoué à terme. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur les conditions de la poursuite et de la capacité à faire face. L'économie du numérique, je vais prendre ça juste, l'économie du numérique, il y a des choses tout à fait intéressantes, hein, mais je ne suis pas complètement sûr que ce qu'on appelle la transition numérique soit accessible comme ça. Ça va dépendre. Ça va dépendre du type d'activité qui se joue à travers le numérique. On va faire quoi avec le numérique? Un numérique, par exemple, associé à la question du bien-vivre alimentaire. Alors, peut-être en revenant sur la question du bien-vivre alimentaire, on redonne du sens au travail et on y associe des entreprises du numérique. Mais en même temps, pour que les personnes qui n'ont pas un accès facile au numérique trouvent leur place, il faut bien trouver ce que j'appelle les effets de complémentation. C'est ce que tu appelles les effets d'agencement d'acteurs qui sont pertinents. Et donc, pour avoir des agencements d'acteurs, il faut créer des écosystèmes territorialisés qui, avec des compétences complémentaires. Parce que remettre les gens au travail, au sens de leur redonner le sens du travail, au sens de leur redonner un avenir par le travail, c'est aussi trouver des formes de coopération entre des personnes qui, sur le papier, n'ont pas du tout les mêmes qualifications, mais trouver le sens de leur coopération. Et là, on a des enjeux extrêmement importants quand on rentre dans des territoires comme le bassin minier qui est en grande difficulté et bien d'autres. Et même, je pense aussi certainement ici à Avignon ou dans le triangle d'Idor. On a donc ici à réfléchir sur les conditions de succès des territoires de projet. Je partage entièrement la proposition de territoire de projet, entièrement. Mais en même temps, il faut réfléchir à ces conditions. Alors l'atelier, il vise à mettre en discussion ces conditions d'échec et de réussite. L'idée, on part de 4 villes, mais on ne compte pas s'arrêter là. Hein. On compte l'année prochaine étendre 4 villes à d'autres villes, dont d'ailleurs le Grand Avignon. On est en discussion pour voir comment on pourrait faire, justement mettre en discussion ce qui s'est passé avec les conditions du succès. Et puis d'autre part, intégrer dans les démarches ce que tu appelais les projets qui sont plutôt initiés par les citoyens. Et donc mettre dans la boucle cette discussion aussi avec des... Mais vous voyez, je reviens à ce que j'appelle moi la doctrine. C'est-à-dire quels sont les éléments de référence qui sont derrière, qui permettent d'aller vers le succès et de surmonter les échecs. Mais il faut des espaces de retour d'expérience. Il faut des moments qu'on appelle nous réflexifs. C'est-à-dire pour revenir sur l'expérience, pour comprendre, prendre le temps. Il ne suffit pas simplement de dire c'est un échec, puis on passe à autre chose. On va le répéter, l'échec. On apprend par les échecs si on revient sur l'échec. Et si on comprend ce qui crée l'échec. Sinon, on n'avance pas en réalité. Alors là, vous voyez bien qu'on a besoin de formes d'organisation, y compris dans des associations qui sont de projets, qui se donnent les moyens de cette réflexion. Le nombre de choses que j'ai vues dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que je suis comme un vieux routier aussi du Nord-Pas-de-Calais, j'y habite pas, mais j'ai l'impression que j'y habite en fait. Voilà. Bon, j'habite pas à Avignon encore, mais ça m'attire, c'est vrai. pas mal. Hein. Mais c'est des amis. Et les maisons, c'est des maisons amies. Okay. Alors, j'ai quelques questions aussi. J'arrête. Hein, si tu peux. Non, mais résume en une phrase. C'est-à-dire la nécessité d'avoir un espace réflexif, c'est-à-dire un espace, soit entre territoires, mais aussi dans les territoires. Pour moi, le club, c'est une de ses missions aussi ici, de trouver le temps de réfléchir pourquoi telle initiative marche, avancer, quels en sont les ingrédients. Oui, alors une question liée à la présentation de Monsieur Cesarini. Bon, alors il se trouve que j'anime un pôle territorial de coopération économique
Et je trouve très intéressant votre réflexion sur ces projets qui déterminent le territoire, même si après, dans la réalité, ce n'est pas fait forcément dans toutes les têtes, pas seulement des politiques, hein, mais aussi des opérateurs de terrain, à commencer par ceux d'économie sociale et solidaire, famille dont nous faisons partie, hein, qui on se partage un petit peu, Yalta, territorial, etc. Et d'arriver effectivement à mettre en place des dynamiques sur des thématiques économiques qui transgressent un petit peu ces partages comme ça de territoire, entre guillemets, et pas forcément simple. Alors, il se trouve effectivement que nous l'avons fait. On est sur plusieurs territoires et on essaye de créer cette associativité entre territoires. Alors, ma question est la suivante. Vous avez certainement induit une réponse, mais je ne l'ai pas entendue forcément. Donc, je vous prie de m'excuser si vous l'aviez dit. Quand vous parlez d'associations territoriales sur ces projets, de ces nouvelles associativités, etc., pour l'instant, sur les premières initiatives que vous avez pu noter, apprécier, s'agit-il surtout d'associations de collectivités, c'est-à-dire de structures plutôt publiques, ou mêlent-elles déjà des acteurs, à quelque titre que ce soit, de l'économie solidaire ou de l'économie entre guillemets classique, agissant? Parce que bon, on peut effectivement penser des territoires de demain en termes de traduction opérationnelle économique. Il faut aussi que les opérateurs économiques, les opérateurs de terrain puissent donner de la chair à cette pensée en traduction, emploi, initiative, etc., qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Donc je voulais savoir si déjà il y avait des références, hein, d'associations de ce type qui comprennent effectivement une mixité d'acteurs et ce que ça donne aujourd'hui parmi celles qui vous semblent les plus opérantes, les plus sympas. Merci. S'agissant de silos existants et de besoins de coopération, la question financière, pour moi, elle est assez centrale parce que le manque à gagner qu'on a, le niveau de déperdition, de gaspillage qu'on a à avoir des visions cloisonnées à un niveau macroéconomique est juste dingue. L'exemple le plus typique, c'est une autorité organisatrice des transports qui vient présenter un plan de déplacement. On dit ben, pourquoi vous n'êtes pas plus ambitieux sur le transport en commun? On n'a pas les sous. Ah bon, est-ce que vous avez regardé l'impact sur la pollution, donc la santé, donc le budget de la Sécu? Ben non. Bon. Sans parler de l'axe temporel, hein, où on peut se remémorer les travaux sur le coût à terme du changement climatique, où on n'arrive pas à le faire. Bon. Donc ça, pour moi, ça me semble être forcément à traiter dans nos réflexions sur l'économie de la fonctionnelle. Comment on fait en sorte d'identifier, de valoriser et de réinternaliser ces externalités? Le mot, il n'est pas joli, mais il est comme ça, c'est le seul que j'ai trouvé. Donc ma question, elle est double. Est-ce que dans vos expériences, dans vos groupes de travail aux uns et aux autres, vous avez vu des gens qui commençaient à passer la première sur ces sujets-là, à dire ouais, on arrive à faire en sorte que la Sécu intervienne sur un dossier de financement dans le cadre d'une association, par exemple, dont vous promouvez le déploiement. Est-ce qu'au niveau fiscal, on pourrait arriver à avoir un truc un peu intelligent comme la Fondation 2019 le prône? Et comment on fait et quand pour passer la seconde sur ce sujet-là? Alors, il ne s'est pas présenté, mais donc il considère que tout le monde le connaît, c'est Gwenaëlle Kervajan, Innovaclean. Voilà. Et donc moi, je vais me présenter, donc Emmanuel Delannoy, Picaya, et je voudrais vous remercier vraiment pour vos présentations. C'était extrêmement réjouissant de vous entendre. Réjouissant parce qu'on entend vraiment une manière de penser radicalement différente qui est extrêmement systémique. Alors la pensée systémique, elle est facile à moquer quand on parle de pensée complexe, elle est juste une manière d'analyser les choses comme elles sont, c'est-à-dire dans leur réelle complexité, et c'est indispensable, sinon on n'en sortira pas. Mais ça induit énormément de choses en termes d'ingénierie territoriale, en termes de gouvernance, en termes de direction des affaires publiques. Et donc il y a deux questions là aussi. La première, c'est est-ce que l'État est prêt? Parce qu'il y a un rôle complètement différent à jouer, et l'État, en France en particulier, c'est quand même le symbole de l'organisation hiérarchique et de la pensée en silo. Donc ça me laisse penser qu'il y a une certaine trajectoire, une certaine distance à parcourir. Et la deuxième question, c'est puisque vous avez mis l'accent sur cette dimension systémique, je pense simplement à la question du financement là aussi, c'est pas les entités qu'on va financer, ce sont plutôt les connecteurs, d'après ce que j'entends.
Mais alors, à qui on fait le chèque? Il n'y a pas un monsieur connecteur. Comment on va identifier ces liens, ces relations, ces structures émergentes qui vont se mettre en place? Et ça rejoint encore une fois la question aussi du financement public et de la manière dont on verse des subventions. C'est qu'aujourd'hui, il y a des appels à projets. Et donc, il faut avoir une personnalité juridique avec une certaine ancienneté, donc des critères qui ne sont pas... Enfin, qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle émergence que vous étiez en train d'évoquer. Je m'interrogeais juste sur ce projet de territoire et en quoi, ça s'adresse à M. Cesarini, quelle est la différence entre un vrai projet de territoire qui vient du local, du territoire, et du marketing territorial? Parce que tout à l'heure, quand j'entends parler de la forêt de Brocéliande, il me semble qu'on est plus du côté du marketing territorial que d'un vrai projet. Sur la gouvernance. Sur la gouvernance, effectivement, tout à l'heure j'en parlais, ce qu'on a préconisé dans le rapport, c'était effectivement sur la réforme des pôles d'équilibre de territoires ruraux, les PETR, nous ce qu'on préconise c'est que la gouvernance soit vraiment publique-privée et associative quand on parle privé, ça pas simplement entreprise. Mais que ça soit pas comme dans les SEM aujourd'hui, dans les sociétés d'économie mixte, où finalement le privé met plutôt de l'argent et puis c'est quand même le public et l'élu qui gère. Ce qui a donné malheureusement beaucoup de scandales ici et ailleurs. Donc néanmoins, donc je pense plutôt que la gouvernance est très très importante, que les élus comprennent qu'ils soient accompagnateurs de projets, mais qu'ils ne peuvent pas avoir simplement la main dessus. Ça c'est vraiment très important, on l'a dit, on l'a redit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant cette réforme que je souhaite des pôles d'équilibre territoriaux ruraux, les associations qui se montent dans ce sens-là, dont je parlais tout à l'heure en Bretagne ou ici, sont vraiment des associations dans lesquelles il n'y a pas que des élus. Alors c'est vrai que c'est les élus qui vont impulser la création de l'association, mais au milieu, il y a toujours, enfin, en tout cas moi je les pousse à faire ça et à chaque fois ils le font pour l'instant, des entreprises ou des CCI ou l'association d'insertion, etc. etc. Pourquoi? Parce que comme l'expérience dont je vous parlais, enfin moi, de ce que j'ai vécu sur la création de ce label French Tech, ça a été ça, c'est qu'autour de la table, on a mis autant des associations d'insertion professionnelle que effectivement l'université, que des entreprises, que des élus, enfin des gens qui sont dans des milieux assez différents, et parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut créer des vrais parcours. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut, je vais raconter les parcours de French Tech, mais enfin, on va chercher des décrocheurs dans les quartiers par rapport à une association qui va les former, mais ensuite c'est l'entreprise qui va peut-être financer leur création d'entreprise, et qu'en fait chacun a une partie de la solution. Et c'est pour ça que sur la gouvernance, il faut vraiment, vraiment tenir sur le fait que ce soit le plus mixte possible. Et c'est plutôt ce qu'on voit arriver aujourd'hui. Donc voilà, là, je vous donne un exemple. Si vous voulez un exemple, le 1er octobre prochain, la réunion Grande Provence, donc d'ici, donc avec 16 collectivités locales, 400 villes, 3 CCI, va accueillir des associations pour travailler avec elles. Notamment le Festival d'Avignon, OFF. Le Festival d'Avignon, OFF, va venir devant donc 16 présidents de communautés, ce qui est impossible pour eux si cette association n'existe pas. Il faut qu'ils aillent taper à chaque porte, une fois, etc. Donc là, ils vont venir pour dire bonjour. On veut faire un off les murs, on ne veut pas que le Festival d'Avignon soit que dans les trois rues de l'Intramuros, je caricature, mais en tout cas centralisé, encore une fois concentré. Si vous voulez des spectacles, nous, on a tout un dispositif pour que vous les ayez à partir de 1 000 euros par collectivité, ce qui honnêtement n'est pas... Et là, on peut faire amener de la culture à des gens plus proches de chez vous. On l'a fait l'année dernière à Monteux, par exemple, et on l'a fait à Châteauneuf-du-Pape. Les salles étaient pleines. Cette année, moi, j'ai fait un partenariat aussi pour qu'il y ait des théâtres sur l'aire d'autoroute de Montréal-les-Avignon, pour choper aussi des gens qui, entre Paris et la Côte d'Azur, s'arrêtent, pour dire, oui, ici, c'est la culture aussi. Et donc, on va faire ça. Mais la conséquence de ça, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on va dire, par contre, il va falloir que vous changiez vos transports. Ah bon? Bah oui, parce qu'Avignon-Nîmes, aujourd'hui, en bus, c'est 3 heures. Alors que c'est 20 minutes en voiture. Pourquoi c'est 3 heures? Parce que chacun est dans sa logique d'aglo. Donc le bus, il n'arrive pas à la même heure de l'intermodalité de l'autre, puis l'arrêt de bus, il n'est pas à côté. Chacun est dans son petit monde, dans son petit univers, et n'a pas parlé aux voisins. Alors que et donc évidemment, tu as des bus qui sont plus vides, parce que si tu mets 3 heures pour aller à Nîmes, bah, tu ne le prends pas, etc., etc. Et donc là, dire si on a du théâtre, si on a autre chose, alors, et c'est là la conséquence de l'infrastructure et non pas la cause de l'infrastructure, fait qu'il va falloir changer ça, ça et ça. Et on va écrire aux deux présidents de région aussi, parce que le Festival d'Avignon nous a dit, on a un problème avec les trains par rapport au TER, c'est que le soir, nous, ça finit trop tôt, donc on perd des gens, nos artistes ont leur salle qui se vide, etc. Il y a quelque chose d'un coup où le territoire réfléchit avec l'associatif d'idées auxquelles il n'aurait jamais eu.
Il n'y a pas un président de communauté de communes qui m'a dit « Tiens, j'aimerais bien changer mes bus pour qu'il y ait plus de gens dans mes théâtres. » Non, c'est le territoire, c'est l'associatif. Je précise que Festival Oeuf est une association qui, justement, dit « Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. » Et demain, quand on aura la fondation du Festival Oeuf qui va plutôt grossir et qu'on aura des résidences d'artistes à l'année dans des territoires et dans des quartiers, c'est comme ça qu'on va le travailler aussi. Voilà, c'est pour ça que l'associatif, il est très important. Parce qu'il amène quelque chose que l'élu n'aurait pas pensé, là, sur un cadre qui est énorme. C'est 8000 km², on parle. On parle d'1 200 000 habitants. Les 16 personnes, les 16 présidents qui seront face à nous représentent ces gens-là. 8000 km², c'est 10 fois Paris, quoi. C'est quasiment l'équivalent de Marseille en termes d'habitation, enfin, en termes d'habitants. Donc, il y a quelque chose, après, masse critique, qui fait que ton territoire regarde la métropole voisine, non pas en levant les yeux, mais les yeux dans les yeux. Donc, moi, je suis aussi gros que toi. On a des projets de territoire. Donc il y a un moment où, et vous le racontiez très bien, tu es une bonne infirmière, ben, pars à Montpellier, tu es un bon start-upper, pars à Marseille. Enfin, c'est comme ça que la centralité de la métropole aimante et les investissements et les talents. Ceux qui restent là disent, ben, nous on est un peu les perdants. Donc effectivement, pour se signaler qu'ils existent, ils font des votes protestataires, comme on dit poliment. Et je continue sur le chèque. À qui on fait le chèque? Et comment l'État, peut-être, va essayer de changer un peu sa manière de fonctionner? Donc il y a une annonce donc, qui a été faite cette semaine et une autre qui sera faite probablement avant la fin de l'année. J'espère que je serai le rapporteur de ce texte-là parce qu'on y a beaucoup travaillé. C'est donc la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc cette agence qui va englober le CGET, qui va englober probablement l'ANRU, avec un périmètre, donc pas faire une agence à côté des agences, mais plutôt harmoniser celles qui existent pour ne pas refaire une couche sur une couche sur une couche. Et cette agence... Pardon ? Certes, c'est ce que je dis, c'est ce que j'appelle le CGET. Et donc, pour le coup, c'est le CGET qui va être englobé dans cette grande agence-là. C'est ce que je vous disais. Et donc, la philosophie de cette agence-là, qui sera créée, à la fois liée au rapport qu'on a écrit, mais aussi au rapport du préfet Morvan, c'est de dire ça. C'est de dire que cette agence ne fera pas des lancements d'appels à projets. Cette agence viendra accompagner des projets existants à mi-chemin pour les mettre ailleurs avec... Dans chaque préfecture, parce que nous, on voulait quand même que ça soit déconcentré, cette agence, soit les gens, ça ne soit pas à Paris. Dans chaque préfecture, il y ait un référent, a priori, voilà, quelqu'un qui sera proche du préfet, qui pourra accompagner ces projets de territoire-là pour les mener à un endroit. Et sortir, le CGET, c'est très bien, mais c'était justement la logique d'avant de l'appel à projet globalisé pour tout le monde. C'est-à-dire, on fait un appel à projet qui est national, alors que là, c'est dire, non, on n'a pas de projet particulier. Je dis, nous, État, c'est pas moi, mais nous, État, on n'a pas de projet particulier pour vous. Par contre, faites des projets, structurez-vous, nous on viendra les accompagner avec l'agence qui à la fois fera de l'ingénierie humaine, monter des dossiers, faire des retours d'expérience d'autres territoires, tiens, regarde, c'est plutôt ça qui a marché, etc., etc. Mais aussi aller chercher de l'argent dans les ministères, à la Caisse des dépôts et à l'Europe, ce qu'on fait d'ailleurs assez peu en France, je trouve. Donc l'idée, on peut voir un changement de cette mentalité d'État descendant par rapport à cette agence-là. Et ensuite, par rapport au tiers-lieu, dont vous avez compris que ça me passionnait, je précise que les tiers-lieux, ce n'est pas un gadget du pays, c'est une tendance très très lourde. Il y a 2 millions de Français qui travaillent dans des tiers-lieux tous les matins. Ce n'est pas rien ce qui est en train de se passer, c'est une vraie tendance lourde de travailler collectivement avec d'autres. C'est là aussi, c'est la première fois où on travaille en commun à un endroit sans être dans la même entreprise. D'habitude, quand on était en commun au même endroit, c'est quand on était dans la même boîte. Là, pour le coup, on n'est pas dans la même boîte. Et on travaille autrement, et on travaille à distance. Et on travaille sur des choses qui sont très collaboratives. Enfin, en Vaucluse, on a... Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé à créer des tiers-lieux. Il y a des très belles histoires. Je ne résiste pas à vous en raconter une. Mais à Lourmarin, village de 1000 habitants, là, on est vraiment dans la ruralité. Ils ont créé un Fab Lab qui s'appelle la fruitière numérique. C'est l'ancienne fruitière agricole qu'ils ont refaite pour justement, il y a des gens qui viennent travailler là, construire des choses, etc. etc. Et ça marche tellement bien qu'ils sont maintenant assez identifiés par des structures internationales. L'UNESCO les a appelés, leur a dit, bon, on sait que chez vous, il y a un peu des bidouilleurs un peu étranges, enfin, ça... C'est un gros truc, hein. c'est plusieurs milliers de mètres carrés, c'est un gros truc. On a un problème avec les éléphants en Afrique, ils piétinent les cultures agricoles, on aimerait les faire fuir, mais on n'aimerait pas les blesser, comment on fait? Donc essayer de nous trouver un truc avec des matériaux qu'on va pouvoir retrouver sur place, pas un truc high-tech compliqué, etc. etc. Et donc ils ont réfléchi à ça, et ils ont trouvé, alors c'est fascinant, parce qu'ils ont trouvé une sorte de pistolet qui se déclenche quand l'éléphant passe et qui en touche là une ligne, qui envoie une balle de ping-pong avec du piment à l'intérieur.
L'éléphant n'aime pas le piment, ça lui fait pas mal, mais ça le fait fuir. Et ainsi, il y a des cultures agricoles africaines, et maintenant, ils en produisent aussi en Amérique du Sud, qui sont sauvées grâce à un petit village de lourds marins en France. C'est ce monde-là dans lequel on vit. En tout cas, c'est ce monde-là qui me passionne, quoi. Et donc, le ministre a annoncé 110 millions d'euros pour des tiers-lieux existants ou pour en créer. De la même manière, en disant pas voilà ce que doit être un tiers-lieu, un coworking, un Fab Lab, ça ce serait un appel à projet globalisant. Dire en gros, si vous avez un projet de tiers-lieu même bizarre auquel on n'a pas pensé, effectivement lié à l'économie sociale et solidaire, lié à plein de choses sur des thématiques particulières, alors on viendra l'accompagner. Et je précise que là aussi, la gouvernance du fonds est intéressante. Sur les 110 millions, il y a 60 millions d'argent public d'État et 50 millions d'argent privé de boîtes qui ont dit tiens, moi je le mets dans cette fondation-là pour développer des territoires, etc. etc. Donc, par ces deux choses-là, on peut voir qu'il y a quelque chose, à mon avis, qui est en train un petit peu de se passer. Mais j'allais dire un peu par la force des choses. C'est-à-dire que quand l'État n'a pas d'argent, il est bien obligé d'accompagner ce qui existe plutôt que d'essayer de faire le mec globalisant. Donc la dette, finalement, qui est terrible pour les territoires, mais les émancipe par la force des choses, si j'ose dire. Mais en tout cas, je pense que ce tournant-là est en train d'être pris. Voilà. Je voulais reprendre des questions de financement parce qu'elles me paraissent des questions absolument essentielles. Voilà. C'est très bien, d'une certaine manière, si l'État passe d'appel à projet, à accompagner les projets. C'est très bien. Mais ça impulse l'affaire. Ça ne la pérennise pas. Ça n'indique pas quel est le modèle économique qui pérennise la dynamique. Vous voyez le problème? Donc, les exemples que vous avez pris me paraissent très bons, mais ça initie. Ça n'indique pas quel est le modèle économique. Et dans ce que vous dites, si je peux me permettre, là, un peu plus critique, en fait, ce que vous dites ne remet pas en cause le modèle économique dominant actuel. Il ne le remet pas en cause. C'est-à-dire, il ne le réinterroge pas. Il réinterroge qu'est-ce qui impulse? Comment soutenir l'initiative d'innovation initiale? Mais en réalité, on a des problèmes plus complexes. Je suis désolé, mais beaucoup plus complexes. C'est ensuite, quelle dynamique va permettre de créer une réduction de coûts qui permet d'asseoir des revenus qui restent à peu près les mêmes du point de vue aujourd'hui des consommateurs, des entreprises qui sont libres, à peu près les mêmes. Est-ce que l'on continue dans une logique industrielle avec des effets de volume qui cherchent par les effets de volume à réduire les coûts unitaires pour accéder à une vente et du coup à un revenu, ou est-ce qu'on trouve une autre méthode? Parce que cette logique industrielle, on connaît les méfaits sur le plan du travail comme sur le plan écologique. Donc comment on va réduire la question des coûts pour arriver à avoir un revenu pérenne de telle manière que les entreprises soient rentables? C'est une première question. La deuxième question qui me paraît posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, pour reprendre l'expression, est-ce qu'on arrive à une dynamique économique qui va, sur le plan financier, être en capacité d'internaliser, c'est-à-dire de faire revenir sur les questions des échanges monétaires, les effets négatifs qui ont été détruits? Est-ce qu'on a des exemples? C'est ça votre question. Quel mode mettre en avant, mettre en route pour qu'on soit en capacité d'internaliser sur le long terme, ces externalités à l'intérieur de la dynamique des entreprises? Et la troisième chose qui a été posée, c'est est-ce que finalement on connaît des institutions publiques, soit par la manière fiscale, soit d'une autre manière, qui s'engagent, qui tentent des nouvelles perspectives, par exemple la sécurité sociale? Alors je voudrais reprendre ces trois points, parce que ça me paraît sur le plan financier, sur la question des modèles économiques, absolument essentiel que des gens comme nous, engagés dans des projets entrepreneuriaux et territoriaux, répondent à ces questions. Parce que oui, c'est bien d'avoir une impulsion au démarrage, PTCE ou quel qu'il soit, mais ça ne traduit pas le modèle économique de long terme. Alors sur le premier point, sur la question des rapports entre coûts et revenus, un des moyens de sortir de la logique industrielle, c'est de la logique d'intégration. C'est-à-dire que quand on fait une chose, on fait plusieurs. On intègre différentes dimensions de telle manière que cette intégration ne réduit les coûts de transaction, réduit les coûts d'interférence. Quand on est, par exemple, dans une logique de transport, on peut reprendre l'exemple de transport, effectivement, si on arrive à intégrer la mobilité dans plusieurs villes en la coordonnant, et finalement, si on arrive à intégrer la question de l'autobus qui passe de Nîmes à Avignon avec d'autres systèmes de mobilité, là, on est en capacité de réduire les coûts par intégration d'activité. Mais ça demande donc d'envisager des écosystèmes productifs qui visent l'intégration systémique.
c'est-à-dire des entreprises qui coopèrent avec d'autres sur un plan des écosystèmes coopératifs, qui discutent de cette question pour réduire ces coûts par les effets d'intégration. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas seulement un problème de projet, c'est un problème de convention, de coopération entre entreprises qui, à travers cette coopération, réduisent des coûts et rendent rentables des activités qui n'étaient pas précédemment, par exemple les bus. Deuxième point, sur la question de la nécessité d'internaliser, c'est-à-dire de financer l'internalisation de ce que tu appelais, vous appelez les externalités négatives. Comment peut-on faire? C'est une redoutable question. Aucun dispositif de l'État ne le prévoit aujourd'hui. Aucun. Aucun dispositif envisagé par l'État ne prévoit cette question. Aucun. Est-ce qu'il existe des expériences? Il en existe quelques-unes, à ma connaissance. Peu nombreuses. Mais dans le Nord, par exemple, à travers des entreprises qui sont engagées dans le domaine de la santé, à travers, par exemple, un centre d'appel qui est organisé à l'origine de manière industrielle, qui, à un moment donné, change de modèle économique, GESNOR, pour ne pas le nommer, qui trouve des formes de coopération différentes avec les médecins, qui trouve ensuite des formes de coopération différentes avec l'hôpital, et qui est en train, cette fois-ci, à travers la capacité de l'expérience de ces médecins d'engager un dispositif d'accueil des postes hospitaliers qui a une double conséquence, une meilleure qualité des soins, qui rencontre un problème territorial de désertification médicale dans le territoire du bassin minier, c'est juste à côté de chez toi, et en même temps qui répond au problème de l'hôpital, de la façon dont les systèmes d'urgence sont entièrement submergés et qui trouve ici par la résolution de l'externalité négative du système précédent, c'est-à-dire la façon d'intégrer des activités ou des externalités négatives, un financement hospitalier. En d'autres termes, on peut trouver dans des formes de coopération ciblées par ensemble, ce que nous appelons des sphères, c'est-à-dire des systèmes d'activité, des systèmes où l'hôpital ou d'autres acteurs financent l'internalisation de ces effets externes qui étaient précédemment négatifs. Ce n'est pas l'État qui était l'initiative, c'est les acteurs, en coopérant d'une nouvelle manière, dégagent les moyens de financer ce type d'orientation. C'est le propre de l'économie de la fonctionnalité de la coopération de viser ça. C'est le propre de notre projet de viser ça. C'est le propre de notre projet de trouver des financements pérennes différents. Le troisième point, qui est la question de est-ce qu'il y a des organismes qui seraient prêts à prendre le risque de l'autre de faire en sorte que derrière des investissements plutôt immatériels, parce que plutôt portés sur des agencements d'acteurs qu'une nouvelle technologie, en changeant le système d'acteurs, encore une fois, l'innovation des systèmes d'acteurs est bien plus importante que l'innovation technologique. Parce que c'est dans les relations nouvelles entre acteurs qu'il y a ici une possibilité de déplacer les logiques de financement. Alors, on est en train de réfléchir, par exemple, c'est un autre exemple, à Toulouse, avec la G2R, sur la question des personnes qui aident, les aidants, les salariés qui sont aidants de leur famille. On essaye de trouver, avec la G2R, un système qui permettrait, et aux entreprises, notamment des PME et des TPE, d'envisager une prise en compte dans leur organisation du travail, dans leur management, de l'existence de ces personnes qui aident un certain nombre de personnes, notamment de personnes âgées, et de voir comment, à travers cette perspective, un certain nombre de dépenses de sécurité sociale ou autres peuvent être réduites et donc réintégrées dans le projet comme recirculation d'une dépense non faite dans le système de financement de ces activités. Ça, c'est un projet important, à mes yeux, dans lequel, ici, c'est la G2R qui est un interlocuteur, mais qui, vous voyez, est dans une perspective. Alors, ça demande du moyen-long terme. Ça ne veut pas se régler dans le court terme. Ça ne veut pas se régler par le marché. Ça passe par des formes de coopération de moyen de long terme et des dispositifs d'évaluation de l'impact de cette coopération. Mais on a exactement le même problème avec le projet du PTCE d'Audric. On peut avoir des aides à mention de telle ou telle collectivité, ou on peut avoir des aides ponctuelles, mais ce n'est pas le problème essentiel.
Le problème essentiel, c'est comment on pérennise sur le très long terme un dispositif de bien-vivre alimentaire qui engage les citoyens sous une forme telle que ça génère un revenu stable qui permet aux entreprises engagées dans cet écosystème à la fois d'assumer le risque de l'innovation et en même temps qui pérennise leurs revenus et donc qui stabilise à la fois leurs profits, c'est-à-dire leur investissement du futur. C'est ce système-là qu'il faut construire et qui exige une visée politique des consommateurs. Faisons attention, la prise en compte de financement aux entreprises individuelles, c'est le mur, quelle que soit la bonne volonté des pouvoirs publics. Et quel que soit le discours tout à fait prometteur des pouvoirs publics, y compris d'un point de vue territorial. Non, si on ne change pas l'organisation des rapports entre les entreprises elles-mêmes, en écosystème coopératif, et si on ne change pas le rapport des entreprises vis-à-vis des citoyens dans la phase, et des citoyens vis-à-vis des entreprises, on n'arrive pas à construire ce dont tu souhaites, c'est-à-dire un dispositif de financement pérenne qui réinternalise dans le jargon des écologistes et des économistes, des externalités négatives. On n'y arrive pas. Prenons l'habité, on peut continuer. Prenons l'habité. On ne peut pas, Christian. Non, mais... Pour des raisons de temps des raisons matérielles, on ne peut pas. On va pas. J'arrête là. Mais si vous voulez, vous prenez la question de santé, les enjeux d'habité, les enjeux de mobilité. Chaque fois, on tombe sur les mêmes noyaux de questions. Jean-François, un dernier mot très court. Et puis après, on a du mal à l'arrêter. On conclura cette séquence. Non, très court. La question de l'ingénierie systémique. En fait, il faudra arriver à qualifier c'est quoi de l'ingénierie systémique. Moi, ça fait 10-15 ans que je parle de ça. Je le demande à l'ADEME, puisqu'on est laboratoire national, on est leur seul labo de conduite de changement. J'ai profondément la conviction que c'est là que ça se joue. Mais avec tous les énarques, avec tous les polytechniciens, tous les costauds qu'il y a, ça les tétanise, cette idée d'ingénierie systémique. En fait, j'ai envie de dire l'ingénierie systémique, c'est un peu l'ingénierie de l'écosystème coopératif. Mais la puissance publique, elle est tétanisée par ça parce que c'est du fonctionnement. C'est de l'argent qu'on donne, on ne sait pas comment l'évaluer. On peut mettre 10 millions sur de l'assainissement, on peut mettre 1 million sur de l'aide directe à je ne sais pas qui, mais mettre 50 000 euros pour faire vivre le tout ce dont on discute, c'est une grande difficulté. Donc ça, c'est un sujet. Deuxième sujet sur la... comment réinterniser les externalités, etc. etc. Enfin, il y a un sujet dont on ne se sert pas assez, c'est une phrase, c'est la commande publique. La commande publique bien utilisée, c'est quand même 8 à 9%, je pense, de l'activité économique, bien utilisée, avec des bons critères, mais seulement il faut sortir des clous sur le plan juridique, parce que les services ils sont tétanisés, ils ne veulent pas envoyer l'élu en prison, etc. Mais si on rentre un certain nombre de critères, on est capable de faire apparaître des choses... qui prennent en compte la question des externalités. Et je trouve que là, il y a un gâchis. Je discute avec tous mes collègues, nous, par exemple, à l'os, tout est en achat responsable, etc. Mais on multiplierait juste à l'échelle des 36 communes de mon aglo, mais la puissance de ce que ça aurait, ce serait énorme. C'est pas fait. Courte phrase. Hein. Effectivement, je souscris tout à fait à ça. Et donc, pourquoi est-ce que le marketing territorial classique n'est pas le territoire de projet dont je parle ? Alors, la différence entre le marketing territorial classique et le territoire de projet, c'est quoi ? On le voit, par exemple, et j'adore mes amis du Grand Avignon, mais quand ils font du marketing territorial, ils font quoi ? Ils font un inventaire matérialiste de ce qu'ils ont. Nous avons X mètres carrés de bureaux. Nous avons une rivière, nous avons un festival. En fait, c'est un truc d'inventaire factuel de choses, comme s'ils faisaient un état des lieux d'un appart en disant bah, « nous, on a ça ». Ça, c'est le marketing d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lister toutes mes infrastructures, mais pas mon projet parce que je n'en ai pas. Je vais gérer ça, je vous explique. Donc, le marketing territorial, c'est juste dire l'existant. Le territoire de projet, ce n'est pas dire ce que j'ai. C'est dire ici, il se passe quelque chose qui fait que ça ne se passe pas ailleurs. Ici, c'est le laboratoire de la culture et du numérique. À Bruxelles, ça sera peut-être une autre manière de parler d'autre chose. Mais c'est, le marketing territorial, c'est dire ce qui est. Le territoire de projet, c'est dire ce qui doit être. Merci. Merci à tous les trois. Merci à tous les participants. Les universités sont donc bien lancées maintenant. Et je passe la parole pour les explications de comment ça va se passer ce soir, finalement.